Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Perlin Galère Gaming ou rebonjour. On s'est vu tout à l'heure sur du Hollow Knight, là on se remet sur du Pokémon épée, on va continuer notre aventure. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, ce que vous voulez. Pour ma part ce sera une tasse avec un peu d'eau dedans. Je profite pour en boire un peu et puis on va continuer notre aventure tranquillement. On va changer de scène, se mettre sur la scène principale des lives. J'espère que quand même votre journée s'est bien passée. On a un petit peu de noir là maintenant. Il fait bien noir maintenant. On est le soir, détendez-vous, c'est vendredi, on va prendre un petit bol d'air, on va se mettre tranquille. On va continuer notre aventure. Je me souviens plus ce qu'on avait fait. Si, bien sûr, on avait récupéré le badge de cette arène là, ça nous fait 4 badges je crois. Donc là c'était les combattants de la liberté, bien sûr, ninja. Et du coup il faut qu'on aille voir la fresque à Oldshire, donc on va se faire ça tranquillement et paisiblement. Vous savez, c'est le vendredi soir, on va pas se mettre le feu. J'aime bien faire les choses assez gentiment. On va, je suppose, aller par ici pour les fresques. À mon avis, ça doit être à peu près par là. Et puis ma foi, on va, tiens, Sonia ici, on va aller, ah, tiens, il y a quelque chose qui brille, il me semble, non? Oui, il y a quelque chose qui brille, exactement. On va aller regarder ce que c'est. Ok, vous trouvez un rappel max, ce qui est plutôt pas mal. Allez, on va parler à Sonia, on va voir ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Elle nous dit pas plus. Allez, on va aller voir. On va monter tranquillement. De toute façon. Bonjour, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Tu es un challenger? Oui, un petit peu. Allez, hop. Ah, j'aimerais bien arriver à attraper un éléphant comme ça. On n'y est pas arrivé encore. Ce serait plutôt pas mal. Alors, pourquoi hésites-tu? Détruis tout. Il faut tout détruire si on veut récupérer les étoiles vœux. Pachy. D'accord, c'est un pachy puisque c'est un pachyderme. Alors, plus, il me faut plus d'étoiles vœux si je veux que le président m'accorde sa reconnaissance. Mais c'est pas... Mais... Ouah, il est magnifique. Mais c'est pas la peine de tout détruire par contre, hein, mon copain. Je dis ça, je dis rien. Tu es le Pokémon du président Sheroz, non? Tu vas être content de l'aider dans sa quête d'étoile vœux. Allez, un peu de nerf. Tu devrais, pardon. Je rêve encore toi, tu es vraiment pénible, ma parole. Laisse-moi deviner, tu viens d'avoir l'idée du siècle. Rassembler des étoiles vœux pour t'attirer les bonnes grâces du président, c'est ça? Pas vraiment, non. Tu as fini par comprendre à ce que je vois. Il t'aura fallu du temps. Mais si tu crois que je vais te laisser faire, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Celui qui a doublé ça, quand même, il est pas mal. Je ne laisserai personne se dresser en travers de ma route. Attends, on va faire un petit peu le ménage. Hop, voilà. Trévis, le dresseur, veut se battre. Je sais même pas si on était soigné, en fait. On va y aller, mais... Alors... On va regarder, je me souviens plus ce qui est efficace contre lui. Je crois que le feu, ça marche bien sur lui, il me semble. On va rester donc avec Didi. Ah non, tiens, c'est la première fois qu'on le pratique, celui-ci. On va lui faire une nitrocharge du coup, on verra bien ce que ça donne. Ah oui, c'est assez efficace, on est pas mal. La vitesse de Didi augmente, Melios et KO, pardon. Je vois que j'ai encore affaire à un et j'ai pas réussi à lire, ça va un peu vite pour moi. Votre équipe a gagné des points d'expérience, ok. Bon, ça va. Alors Angel monte de niveau aussi, ce qui est plutôt pas mal. Il veut apprendre plaquage, Angel. Bah tiens, on va regarder un petit peu ce que c'est. Ah non, c'est du truc un peu normal. Et ceci dit, la puissance de lanceur se laisse tomber sur l'ennemi de tout son poids. Peut aussi le paralyser.
C'est pas mal, fais voir par rapport à ma chouille, on est à 85 au lieu de 80. Après le reste, puissance, cogne, c'est pas terrible en fait finalement. Cogne, alors un déluge de coups dressé avec la pomme qui frappe 2 à 5 fois d'affilée. Ah oui, mais du coup, ouais, c'est 5 fois 15. Donc c'est plutôt, plutôt correct 5 fois 15. Non, on va garder ça. Projection 60, balayette 65. J'avoue que... C'est pas un truc de combat, plaquage, mais c'est plutôt goldé parce que 85 c'est quand même pas mal. Je sais pas quoi faire. Je vous avouerai que là, bon, on va laisser ça comme ça et puis on verra bien. Mais c'est dommage, on pourra de toute façon la rappeler peut-être cette truc si jamais on en a l'occasion. Allez, on va pas l'utiliser, on va la laisser de côté puis on verra bien. Voulez-vous renoncer à lui enseigner? Ouais, on va faire ça. C'est vrai que c'est dommage parce que quand même, elle était assez forte, mais je préfère l'autre en fait. Alors, changer de Pokémon. Non, on va rester sur celui-ci et puis on verra bien. Un Mesmerella. Mesmerella, c'est la première fois qu'on en rencontre, je crois. Donc du coup, ben, on va y faire un nitro charge aussi, une nitro charge, et puis on verra bien. Ouais, c'est assez efficace, mais il est joli celui-ci de Pokémon, j'aime bien. Mesmerella ennemi utilise Rafale. Bon, ça va, c'est pas l'Amérique, ça fait pas super 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 mal. Donc du coup, je pense qu'avec un double pied, ça devrait faire la rue. On devrait arriver à la finir un petit peu. Ah non, elle se soigne, autant pour moi. Ah ouais, et ça c'est pas efficace du tout du coup. Eh ben écoute, on va essayer de faire autre chose. On verra bien. On va attaquer comme ça. Et on va lui faire... fais voir, un air de feu. Je pense que ça devrait suffire. Ouais, c'est ça, c'est bon. Il n'est pas si compliqué à battre pour l'instant, mais on a passé que deux Pokémon. On va pas crier victoire. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pas vendre la peau du nounourson avant de l'avoir tué. Un Ponyta. On va changer. On va changer de Pokémon et on va prendre Ethan. Ouais. Je pense que ça, ce sera bien. Envoyé au combat, bien sûr. Travis descend en voie Ponyta. Ponyta, ce qui m'embête. Pas Ponyta. Ethan, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'attaques de type eau assez puissantes en fait. C'est ça le problème. Ce serait bien qu'on en ait un petit peu plus en fait. Ponyta utilise son rayon. Ouais, vraiment, clairement, c'est un peu dommage. On va faire une morsure, c'est super efficace. Mais tu vois, on n'a pas récupéré vraiment beaucoup de... Ah oui, carrément, ouais. Ouais, par contre, ça lui fait mal. On n'a pas récupéré, pourtant on l'utilise quand même assez souvent, on n'a pas des choses qui sont vraiment très très folles avec. Bon, ça ira bien, mais ça va bien, hein. Il fait le taf, mais on n'est pas encore arrivé à faire en sorte que... Alors, je vais gagner pour le président, je ne te laisserai pas me priver de je sais pas quoi. J'ai pas compris, j'ai pas entendu, j'ai pas vu surtout. Pas vu, pas pris. Alors. Ouais, on peut l'attaquer avec ça, mais... tiens, on va lui faire un tombe-roche, je pense que ça peut être efficace sur lui. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, j'avoue que c'est pas mal, ça fait son lot de dégâts. Admire donc les capacités utilisées par ces Pokémon. Rafale Psy. Oh oui, quand même. Ouais. Rafale Psy, ça fait son lot de dégâts. Écoute, on va lui faire. On va lui refaire un tombe roche parce que finalement ça avait bien fonctionné. On peut faire ça. Allez, c'est parti. Parfait. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok.
Alors, vous avez battu Travis le dresseur, ce qui est pas mal. Non, je refuse cette défaite. J'exige que l'on recommence. C'est compliqué à dire, j'exige, le soir un peu. On remporte 4200 Poké-Dollars. Et on est content. Alors, je n'arrive pas à y croire. Comment un minable comme toi ose-t-il se dresser sur le chemin de ma grandiose destinée? Ouais, ça va les chevilles? J'ai été choisi par le président en personne. Je suis celui, lui, qui doit vaincre le maître. J'incarne l'élite de ce pays. Le futur de Galar repose sur mes épaules. Comment ai-je pu... Travis? Ouais, Travis, c'est pas l'éclate. J'étais curieuse de savoir pourquoi tu souhaitais emprunter le Pachiraja du président Shiroz. Mais je n'aurais jamais imaginé que c'était pour détruire ses vestiges. Et alors, quelle importance ces vestiges? C'est notre avenir qui se joue, le millénaire à venir. Coucou mon chéri. Oui. C'est avec ce genre de scrupules que vous aimeriez à servir le président, que vous arriverez à servir le président. Je suis pas sûr que le président soit d'accord. Tiens, il s'est changé les plans en maillot. Travis. Il veut pas être content. Ça me brise le cœur d'avoir à te dire ça, mais je suis profondément déçu. Quand je t'ai rencontré, tu étais un jeune si seul, j'étais ému. C'est pour cela que j'étais envoyé à l'école des dresseurs. Je retrouvais en toi l'enfant que j'avais été. Comme moi, tu as été endurci par l'adversité. Mais qu'as-tu fait, malheureux? Tu as osé t'en prendre à l'histoire de Galar. Abîmer une fresque? Tu n'es pas digne des défis des arènes. Wow. Je déciderai de ta sanction plus tard. Mon cœur est trop empli de déception pour l'instant. Retourne immédiatement à Kickenheim et attends-moi là-bas. Mais il est en colère, hein. Chouchou, il est en colère. Par contre, Pachi, il est super beau. Mais vous plaisantez, monsieur? Pourquoi me qualifiez-vous? Je suis votre protégé. Allons, je vous en prie. Vous ne pouvez pas faire ça. Travis, donne-moi les étoiles vœux que tu as rassemblées. Oula, il va passer un mauvais quart d'heure. Je pense que, heureusement qu'il n'y a pas de prison chez eux. Parce que sinon, pas terrible. Alors, Sonia, Ethan, quelle tragédie. Oh, quel crève-cœur. Une telle fin pour un challenger, ça me donne envie de pleurer. Mais le défi des arènes doit rester un modèle de vertu avant tout. Purée, j'ai de la peine pour Travis. Je me souviens bien de sa présentation. Du défi des arènes. Il n'a plus de famille. Il disait qu'il voulait se battre pour le président et qui a tant fait pour lui, le pauvre. Eh ouais, mais bon, il fallait réfléchir avant. On ne détruit pas des fresques comme ça. J'espère que la fresque n'a pas trop souffert. Ah, si, justement. Ah zut! Bon. Ah, une épée. Ah, Pokémon épée et bouclier. Voilà. Bah, ajoute un repère ici. J'allais dire catastrophe, mais regarde. Qui aurait imaginé trouver de telles statues ici? C'est forcément lié à cette fameuse légende. Qu'est-ce qui te frappe le plus? L'épée et le bouclier, tiens. Oui, ces créatures tenant une épée et un bouclier se démarquent clairement du reste. On dirait deux Pokémon.
Effectivement, Sonia, on dirait deux Pokémon. Est-ce que tu remarques quelque chose d'autre à part ça? C'est comme sur les tapisseries, deux héros, exactement. Exactement, il y avait donc deux héros. Voilà. Alors, pourquoi il n'y a qu'une seule statue dans le hall, pardon, du rose bouton d'or? Ces sculptures sont les véritables témoins, les clés de la vérité sur le passé. Bien plus que les tapisseries ou la statue. Ce qui veut dire que l'épée est un Pokémon. Oui, exactement, c'est ce que je me disais. Avec le temps, les Pokémon et les armes ont commencé à ne plus faire qu'un dans la légende. Ainsi, l'existence des Pokémon avait été doucement effacée de l'histoire. Donc, on a les deux jeunes héros et l'épée et le bouclier sont leurs Pokémon. Mais pourquoi cacher ces ruines et ce qu'elles nous révèlent derrière une œuvre d'art? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Tu réalises l'importance de cette découverte. Je suis heureuse d'avoir vécu ça à tes côtés. Tiens, prends ça. Un événement pareil, ça se fête. Ça te servira bien pour le défi des arènes. La prochaine étape pour toi, c'est Corifée. Ok. Deux rappels, merci. Ça, c'est pas mal. Alors, vous mettez les rappels dans votre poche de soins, bien sûr. Allez, on va faire comme ça. Et puis, on va redescendre de là, du coup. Ouais, c'est vraiment beau, hein. On dirait d'ici qu'il y a quelque chose sur le museau de celui qui porte l'épée. Mais pas sûr, en fait. On dirait en tout cas. Allez, on y va. Allez. On va se faire une petite heure de stream là-dessus, les gars. Et puis après, on ira faire autre chose. Et du coup, ben c'est par où? Le vélo, c'est vrai qu'on n'avait pas utilisé le vélo jusque-là. Fais voir, est-ce qu'on voit quelque chose là-dessus? Ouais, Corifei, par ici. Allez, c'est par là. On va pouvoir chasser un petit peu de Pokémon aussi, je pense, sur la route, ce qui est plutôt pas mal. Il nous en manque un peu. Excusez-moi. Allez, hop. D'où le verre d'eau en fait les amis. Ah si c'est beau. Mais oui, on avait vu dans la présentation, souvenez-vous, ils avaient fait une présentation avec cette forêt où pendant des heures il s'était rien passé. Ou presque rien tout du moins. Allez, on y va, on va explorer ça, mais c'est joli, les couleurs sont très très belles par contre, ouais. Ouais, pour le coup vraiment c'est assez joli, j'aime beaucoup. Ça fait très couleur d'Avatar. Vous savez, oui, je suppose que vous savez, du coup, le film. Et j'avais bien aimé. Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Et coucou frère la galère, comment il va? Il est en forme? Eh ben écoute, on va essayer d'attraper cette drôle de fouille. Fouille de forbelin? De fourbelin. Il est joli le fourbelin. Il est tout fourbe. Et il a du belin. Alors attends, on va par contre, on va l'attaquer mais gentiment. Une petite nitro charge, je vais essayer. Et puis si jamais ça le one shot, voilà, ça le one shot. Donc il faut faire autre chose. Loupé. Père la galère, il roule frère la galère. Eh bien écoute, ça va. Bon, c'est pas, on est parti sur du Pokémon. Sur du Pokémon épée. On va continuer un petit peu notre aventure. On va en faire une heure et demie. On va voir un petit peu tranquillement quoi. On va essayer de rester par là pour retomber sur ce truc là. Là. Allez, viens ici. Mais du coup, il va falloir que je change de Pokémon parce que lui fait trop mal. Un lampion sauvage apparaît. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de.
Regarde, on va essayer déjà de lui envoyer une Pokéball d'entrée. Parce que sinon, on leur fait trop mal. Ou alors, je change d'équipe, regarde. On va plutôt faire ça, je pense. On pourrait prendre... Il a pas grand chose, il a une souplesse, il a... C'est pas... Ouais, on pourrait prendre... Tiens, on va prendre Lio. Je sais pas ce que t'en penses, Lio, mais on va prendre Lio. Et on va essayer de faire avec lui, parce que comme ça, on les blesse un peu moins, on peut les attraper plus facilement. Parce qu'avec Didi, en fait, je les one-shot et c'est un peu compliqué, quoi. Ok, ça va, Chou. Pas de problème. Pas de problème. Alors du coup, ouais, on va essayer de faire un truc, mais vraiment, vraiment pas trop fort. Ça, c'est puissance 80, puissance 80, 65. On va essayer de faire un truc 65, vite fait, une petite étincelle, en espérant pas lui faire trop mal. Ah oui, ça lui fait rien du tout en fait. C'est parfait. Il va nous faire pioncer. Je sais pas comment faire pour les attraper en fait. Ah, mais c'est pas vrai. tu plaisantes. Ouais, c'est vraiment compliqué en fait. Alors attends, fais voir. Honor Ball, non. Ball soin, non. Faible Ball, non. Filet Ball, pas du tout. Sombre Ball. Pokéball et fila. Eh ben voilà, efficace contre les Pokémon dans les endroits sombres et grottes. Tiens, regarde, on va essayer ça. Et puis, non, ça fonctionne pas. Il faut qu'on prenne un autre. Ouais, alors lui, clairement, Lampion, ce qu'on va faire. Regarde, on va changer ça parce que comme c'est un type plante, il va nous faire très très mal. Je peux pas prendre Didi parce que c'est un type plante. Ce que je vais faire peut-être, est-ce qu'on prendrait pas Angel en sachant qu'il y a des coups qui sont pas très très puissants? Ouais, on va faire ça. On va essayer de prendre Angel et on va voir ce que ça donne s'il nous le one shot pas, pour essayer de baisser juste sa vie en fait. C'est ça le problème. Salut mon petit doigt, comment tu vas? T'es en forme? Ils vont bien les galériens. Je suis en train de galérer à essayer de choper des Pokémon, et si tu veux, j'ai des Pokémon qui sont un peu... Mais non, mais c'est pas vrai, il me fait dormir tout le monde celui-là. Qui sont un peu trop puissants, et du coup c'est pas terrible. On va prendre un réveil, et j'en ai pas beaucoup de réveils, c'est ça le problème. Voilà. On va reprendre Angel, on va réveiller Angel. Ce qui fait que je suis embêté parce que je les one shot et donc tu peux pas les attraper. Il faut baisser, mais c'est pas vrai. Il fait mal lui. Hein. Alors fais voir, on va l'attaquer avec un truc. Je veux pas faire trop mal non plus quoi. Tiens, fais voir. On va lui faire une projection et puis on va voir. Ah, mais ça le lève de là. Alors, on va faire différemment. Je vais déjà aller voir l'équipe et puis la soigner. Et tant pis, on fera un peu ce qu'on peut. Allez, on va le soigner. Fais voir, on va lui faire un réveil. On n'en a pas beaucoup, bizarrement, des réveils. Il faudra qu'on en reprenne. Ouais. Eh ben écoute, avec plaisir, moi ça me fait plaisir hein, que tu sois là. Et du coup, après on va le soigner, on va aller prendre une super potion. C'est très gentil en tout cas. Et je vais voir parce que tu m'as vraiment donné envie de le commencer ce jeu là. tu m'agaces avec ton jeu. En fait, si tu veux, ce jeu là, je l'ai pris, mais il y a déjà, dès sa sortie. Et j'ai fait une vidéo découverte dessus. Et après je l'ai laissé de côté parce que si tu veux, j'ai l'ordinateur qui est tombé en panne, donc du coup j'avais pas un ordinateur assez puissant pour pouvoir live dans des bonnes conditions. Et puis je voulais pas en faire des vidéos parce que sur YouTube elles sont pas très très regardées, donc du coup tout ça a fait que ça a repoussé. Et effectivement j'aime vraiment bien ce jeu et je suis vraiment impatient d'y mettre la main dessus en fait, tout simplement. Fais voir, on va soigner Ethan aussi, comme ça on soigne tout le monde, on y est. Bim. Mais oui, c'est. Alors il y a certains qui vont dire mais oui c'est heurté, mais oui c'est ci, mais oui c'est là, mais c'est un Kojima, et je suis désolé, mais moi un Kojima je passe pas à côté quoi.
Effectivement, quand ils sortent un jeu, ils pourraient le lécher un tout petit peu plus que ça quand même. Parce qu'ils en ont fait tout un pataquès et effectivement, je suis monté 2-3 fois sur une échelle et je me suis retrouvé juste à côté et j'ai trouvé que c'était pas pratique du tout quoi, en fait. Alors, on va attendre un petit peu, on va essayer de choper ce qui ou pas. Salut, salut. Bon, ouais, viens ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, une petite tasse, elle est trop belle. Mais alors, ah, comment elle s'appelait cette tasse dans La Belle et la Bête? Tim? Oh, j'ai oublié, c'est dommage. Ça me fait penser à ça. Tu veux lécher qui? Non, personne. Personne, Lio, je te rassure, je veux lécher personne. Du coup, on va y faire. Parce que le plus petit, c'est ça. Hein. On va y faire une nitrocharge. Écoute, on va essayer avec ça. Et puis on verra bien ce que ça donne. En tout cas. Et pourquoi? Pourquoi tu fais pas de nitrocharge, chouchou? Parce qu'il utilise la. Mais non! Oh la one shot! Je sais pas quoi prendre. En fait, je sais pas quel main prendre pour arriver à pas tous les tuer les one shot. Parce que finalement, à chaque fois, le feu, ça les détend un peu. Donc attends, on va essayer de prendre. On va changer. On va essayer de prendre Angel avec nous. Tant pis. Et puis on verra bien. Pourquoi? Je peux pas le déplacer. Si, mais oui, je suis bête, fais voir. Hop, comme ça. Et on va le mettre là. Voilà. Mais tu étais sérieux ou quoi? Alors, voulez-vous déplacer ça? Ah, mais non, mais c'est les objets qu'on déplace là. Comment je fais déplacer un Pokémon, c'est Y. Autant pour moi, Y. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et donc, ouais, je sais pas si vous vous souvenez, ils avaient fait une présentation comme ça, où ça avait duré, mais pendant, je sais pas, pendant de cette forêt, pendant 12 heures, je crois, ou un peu plus, ou 24 heures, et où rien ne se passait, en fait. C'était comme ça, et tu voyais rien apparaître, et t'as juste vu, ils t'ont juste fait apparaître au bout de 12 ou 13 heures, je crois, de live, un petit Ponyta qui passait. Tout gentil, quoi. Mais rien de fou quoi. Et les gens, ils avaient attendu, ils avaient regardé ça pendant 12 plombes et demi en fait. Un peu bizarre. Alors, il vient pas la rouille, je sais, mais quand même. Y a quelqu'un? Oh. Oui, il y a quelqu'un. Allez. Cette fois, on va essayer de le choper. Ah mais non, mais lui va nous faire ronfler, il me fatigue. Alors, écoute. On va attaquer. Pas très efficace, pas très efficace. J'ai rien de très efficace en fait. Mais un pas très efficace à combien? À 15, ça va pas. À 65, ça peut être bien. Allez, on va essayer de faire ça déjà. C'est pas très efficace, mais c'est ce qu'on veut. S'il nous fait pas dormir, ce serait l'idéal en fait. Ah, tu te souviens pas, Lyon? Si, si, ils avaient fait une présentation comme ça. Mais non, allez. Alors, on va refaire la même chose. Et puis après, on va essayer de lui lancer une Pokéball. On va essayer de lui faire ça deux fois. Si c'est possible. Ce serait bien d'ailleurs. Et non. Ah, oh, c'est pas vrai. Pour de bon, t'es sérieux là. Allez, on va dans le sac. On va se réveiller. Dans le sac petit. Et par contre, j'en ai pas beaucoup de réveils. On n'a plus de réveil, si? Ah si, il y en a un. Il nous en reste qu'un. Tout ça pour avoir un Pokémon. D'accord. Alors, on va essayer de lui remettre un petit coup de pied. Mais non, vas-y, t'es sérieux ou quoi? Alors, fais voir.
On va regarder dans l'équipe ce qu'on peut faire pour essayer de ménager la chèvre et le chou. En fait, pas très efficace, pas très efficace. Le feu, forcément, c'est très très efficace. Amandine, pas très efficace. Tiens, on a un super efficace avec avec Master. On va essayer avec Master. Peut-être on arrivera à lui baisser suffisamment, mais à pas se faire endormir toutes les deux secondes. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. C'est pas sûr. Alors, elle utilise Résilion Lune. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Alors, fais voir, on va regarder que ce soit pas trop fort. Regarde, un super, super pic. Ouais, on va faire ça, c'est pas très très fort. Normalement, peut-être on arrivera à le récupérer. Voilà, déjà c'est bien ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, l'attaque de Mastermind baisse, ok, mais ça c'est pas grave. On va lui refaire la même. Peut-être un peu plus fort. Voilà, là ça devrait être bon pour la prochaine fois. C'est l'angoisse, ces trucs là ça se soigne toutes les deux secondes. On va attaquer, on va refaire la même. Ça va être un peu redondant, mais on est obligé de baisser un petit peu sa vie si on veut se l'attraper en fait. C'est exactement ça. Meunier, tu dors. Ton moulin va trop vite. Mais non, mais il m'endort tout le monde celui-là. Là. Alors, fais voir. On va. Maintenant, je pense qu'on va essayer quand même d'envoyer une Pokéball. On va faire comme ça. Et on va faire ça. Et on va voir. J'espère que ça va venir. Parce qu'on en a pas beaucoup en fait. Ah. Ouais, par contre il fait celui à se soigner à chaque fois. Je sais pas comment on va faire pour le choper celui-là. Donc je peux pas le réveiller, donc il faut que je le change en fait. Faut que je le sorte de là. Super efficace, fais voir ton broche, on va le prendre. On va prendre Ethan avec nous, on verra bien. Coucou Didi, comment tu vas? T'es en forme? Ça fait plaisir de te voir. Mais écoute, on se fait un petit peu de Pokémon ce soir. Et comme je sais que t'aimes bien, mais écoute. Installe-toi confortablement et puis on va on va y rester un petit peu. Oh mercredi! C'est pas vrai. Oh l'angoisse. Le problème c'est que là je vais le one shot avec ça. Hein. On va prendre Amandine, pas très efficace. C'est un problème ça. Je sais pas comment faire les gars. Vraiment, vraiment, j'aimerais bien l'attraper celui-là, mais écoute, on va prendre non pas Angel. Il nous faut quelque chose d'efficace quand même. Pas très. Tiens, on va prendre Lio et puis on verra bien ce que ça donne. Merci d'être là en tout cas les gars, je crois que vous êtes 5, merci à vous 5 et puis n'hésitez pas à parler hein, sur le chat. Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire lui? On va faire ça, on va lui faire une souplesse et puis on va espérer que ça se passe comme il faut. Ouais mais ça lui fait rien. Je vais finir par m'agacer et le cramer complètement. Chapeau pointu, regarde, on va faire ça. On va prendre une super balle. On va essayer de l'envoyer comme ça parce que j'arrive pas à... Ouais, je me fais prendre une fessée par un champignon, exactement. Mais là, il est en train de m'agacer, mais vraiment fortement. Comment on va faire? C'est pas ça, parce que le tuer, c'est facile, mais c'est l'attraper le problème. Parce que si tu le one-shot, t'arrives pas à l'attraper. Donc on va essayer de faire comme ça. Et du coup, on reviendra en ville, on ira se soigner. Et reprendre un petit peu de quoi. Non, il veut pas. Hein.
En fait, j'en avais un de ce type-là sur le Pokémon Let's Go. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très efficace en fait. Comme machin. Alors. Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Et là, il commence vraiment à m'agacer un petit peu. Donc, je vais essayer de faire ça. Mais sans grande. Donc, déjà, il attaque. On va essayer de lui faire un double pied. Mais je pense que ça devrait le faire. Fatigué car j'ai des courbatures. Jeudi matin, j'ai terminé à 12h. Ah bah mince, bah installe-toi tranquillement et puis prends un truc à grignoter et on va faire ça gentiment. Tu vas te reposer pendant que nous on va suer sang et eau pour arriver à se défaire de ce lampion qui est en train de nous mettre minable en fait. C'est n'importe quoi. Le lampion, il est pas gentil avec nous, vraiment. Ouais, récolte ce champignon qu'on puisse manger ce soir, c'est exactement ça, on va essayer en tout cas. Non mais là il est en train vraiment de me prendre pour un jambon beurre, alors tu sais, quand c'est comme ça, je perds vite patience. On va lui faire ça et puis on verra bien. Ah bah quand même. C'est bien, je l'ai pas one shot. Oh non mais vas-y, me fais pas dormir. Mais non, mais l'angoisse, mais l'angoisse du truc, il m'énerve. Eh ben bonne nuit Didi, merci d'être passé en tout cas, bonne nuit, repose-toi bien, va. Repose-toi bien. Alors. Eh, merci, merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue Apache, comment tu vas, t'es en forme? Merci, merci, c'est sympa. Du coup, on va faire ça. On va essayer une dernière fois la Super Bowl sombre. En espérant que ça fonctionne. Ce serait bien en tout cas. Allez, croisons les doigts. Yes! Oh mais quelle galère! Tu comprends pourquoi je m'appelle Père la Galère ou pas du tout? Non, mon petit doigt, dis-moi, tu comprends ou pas? Merci d'être là en tout cas. Merci les gars, merci beaucoup. Et merci pour le follow, Apache. Alors, comment on va l'appeler le lampion là? Parce que il m'a mis vénère celui-là. Je vais l'appeler vénère. Lampion, on va l'appeler vénère. Tiens non, on va l'appeler ouais, ben vénère. Vénère, ça me va bien. Ah ouais, non, l'angoisse. Hop, voilà, un petit vénère, c'est parfait. Bim. Tout prend sens. Et tu vois, tout prend sens. Exactement. T'as compris. Ranger le. Ouais, on range ça dans le sac. Yep. J'en reviens pas, dit. 2h30 pour en attraper un, dit. Il ne peut y en avoir qu'un. On va repasser en arrière, les gars. Je suis désolé, mais on va les soigner. Et je vais aller prendre ce qu'il nous faut. Parce que finalement, on n'a pas. Prévenant, c'est pas ça, c'est autre chose. Prévenant, c'est avec les filles. Oui. Vous voyez, quand vous êtes prévenant avec une fille, vous faites pas ça, par exemple. Voilà, vous la sifflez pas dans la rue. J'adore que tu puisses faire ça dans ce jeu. C'est excellent. Ça me fait rire, moi. Je suis basique comme garçon, il y a des choses comme ça qui me font rire, mais des choses toutes simples. Vous savez, j'ai une des histoires qui m'a toujours plu, et elle est complètement ridicule. Tiens, on va soigner l'équipe. C'est j'ai un copain, il me raconte une histoire, il me dit, attention, accrochez-vous bien, les enfants, écoutez pas. Je vais te raconter, le collègue, il me dit, je vais te raconter une histoire de cul. Et il me fait... Et en fait, je l'ai trouvée très très bonne. Elle est courte mais efficace et pas chère. Désolé, elle est vraiment pas bonne, mais je l'aime bien. Allez hop, on a soigné tout le monde.
On va aller prendre des somnifères parce que des antisomnifères parce que du coup ils nous ont quand même ils nous ont quand même donné un peu d'argent, donc on va en profiter. Regarde, on a des hyper potions qu'on pourrait prendre aussi. Du coup, super potion, hyper potion, anti-gel, réveil, on va en prendre quelques-uns du coup, parce que s'ils ont tendance à nous faire dormir, ça va être compliqué. On va en prendre une dizaine. Oui, le reste, je sais pas combien on en a. L'antiparent, on en a 5, pardon, on pourra en prendre un petit peu plus, 5 de plus. Ça mange pas de pain. On va faire un rappel, 16 rappels, ça devrait aller quand même. C'est ça, attention avec la bien-pensance. Maintenant siffler les filles, c'est comme... Ouais, mais c'est exactement ça, mais j'ai trouvé ça drôle, c'est Mastermind qui me l'a montré en fait. Et en fait, il me fait faire ça juste à côté d'une fille justement, et j'ai dit que c'était pas comme ça quoi, qu'il fallait pas faire ça dans la vraie vie et que c'était pas beau quoi. Tu sais, du style, hey, mademoiselle, et voilà, du coup j'ai rigolé tout seul avec ça. Tout simplement. C'était un peu basique, mais c'est comme ça. On va prendre des hyper potions, par contre. On n'avait pas pris le temps de le faire, donc on va... Ouais, ça coûte cher, par contre. Hein. On va en prendre 10, on va en prendre 7. Et on va en prendre des super potions. C'est les Pokéballs aussi. Ça coûte... Tout ça coûte très très cher, en fait, finalement. Eh, salut Il était là. Salut Master, comment tu vas? Mince, t'étais là, zut flûte, oui, je parlais de toi. Je parlais mademoiselle. T'as vu? Allez hop, allez, on s'en va, on va continuer. Et ouais, t'étais là. Parfait, bienvenue à toi du coup. Merci, bienvenue. Ça fait plaisir de te voir, merci. Qu'est-ce que quoi, mon chouchou? On a 4 badges en fait. Et du coup. Wow, la présentation. Et oui, ben oui, c'est Noël. C'est Noël, du coup j'ai fait ça. J'ai trouvé ça sympa. Ça me plaisait bien. Alors j'ai dit, bah tiens, si on faisait un petit truc comme ça, là, une petite déco de Noël. Allez. Donc on va essayer d'attraper les petits lutins. On va continuer quand même, on était là de... Tiens, par ici ou par là, droite ou gauche? On va aller regarder un petit peu là. Tiens, il y a un truc qui est clair là. Qui brille, pardon. Alors, un soin total, parfait. On s'est soigné et c'est la totale. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelque chose, voilà. J'ai vu qu'il y avait une Pokéball. Hein. De l'autre côté, on va y aller, ne vous inquiétez pas les gars. Ah c'est vrai, bah tant mieux Master, mais ça c'est parce que t'es venu sur le live. Écoute, tu te mets tranquille, prends un truc à boire, vous mettez pépouze. Là de toute façon, je peux pas mourir, donc vous êtes pas obligés de faire des clips les gars, à moins qu'il y ait un Gigamax qui arrive, mais sinon qu'on fasse un truc comme ça. Mais vous en faites pas, installez-vous confortablement, ça va, c'est un tango. Par contre non, lui c'est bon, on l'a eu, donc je vais te le faire cramer, fissa Buzzlina. Mais surtout on va s'en aller, on va fuir. Hop, et on va essayer d'en attraper d'autres en fait. Ah bon, pourquoi, Master? T'es tombé amoureux? You fell in love? Oh, viens ici. Non, mais maintenant il va popper que des champis, tu sais. Allez. On va fuir. On va rechanger le... On va rester avec Angel jusque là. Jusqu'à un petit moment quand même. Donc là on peut passer par là. Il y a des champignons hallucinogènes juste là. Hop. Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai la mémoire d'un poisson rouge par contre. Hein. C'est quoi? Un sucre hautain? Mais... Ah, c'est beau! Salut, toi! Comment tu t'appelles? Mais je crois qu'on en a déjà un de sucrotin. Il va falloir y aller doucement parce que ça... Ah, j'ai que du pas très efficace, alors c'est pas mal, non? Tiens, on va lui faire une petite mâchouille. On va voir, et sinon on changera si jamais on voit que c'est vraiment, vraiment, vraiment peu efficace.
Ouais, ça va, une deuxième et ça devrait le faire, je pense. Tudum. Ouais, encore une, et puis après, on lui lancera une Pokéball. Et un crottin, voilà, deux chavignoles. On est curieux. Oui, raconte, on est curieux quand même. On est là pour parler. On va. Ah non, mais vas-y. Pff, ça me saoule. Ça me saoule quand ils font ça. Sois gentil. Ne te soigne pas. Que je puisse t'attraper. Ah, il augmente sa puissance. Ah, du coup, c'est beaucoup moins efficace que tout à l'heure. Tiens, fais voir, on essaye de lui faire une petite balayette. On va voir un petit peu ce que ça donne, si c'est un peu mieux ou pas. Toujours pas. Ouais, par contre, ça risque de lui faire beaucoup moins de mal. On va peut-être changer de bonhomme après. Tant que ça cogne, on est à combien? On est à 15, là on est à 65, donc on va continuer avec la balayette. Ah oui! On a pris une balayette, mais en fait on a un aspirateur. Je comprends pas. Moi je m'étais habitué à l'aspirateur de Luigi en fait. Waouh, mais c'est super! Moi ce qu'il nous a mis, oh! Oh ce qu'il nous a mis! Alors attends, on va essayer quand même de lui lancer une Pokéball. Et après c'est pas grave, on le soigne là. Pardon, on le soignera. Par contre on a plus de. Non, on a plus de Pokéball de sombre. Donc on va essayer avec ça. J'espère que ça va choper. Ah mais ce serait bien ça. Bravo, félicitations. Si c'est ça, bravo, bravo à toi. Et surtout, bon courage et surtout bonne chance. Fais-nous confiance. Nous, on le sait. Bon courage et surtout bonne chance. Non, non, c'est très bien. Ça, c'est vraiment très, très bien. Sucrotin. Comment on va l'appeler, Sucrotin? Tiens, on va l'appeler Mathéo, Sucrotin. C'est parfait, ça, Mathéo. Il aime le sucre, Mathéo, je pense. Allez hop, va pour Mathéo. J'aime bien. On va l'envoyer dans la boîte. Hein. Désolé, on t'envoie dans la boîte, Mathéo. Apache. Allez. Fais voir un petit peu. On essaye de chasser un maximum de Pokémon quand même, qu'on n'a pas. Oh, il est beau! Ah, mais on le connaît pas, lui. Un Quatermac, mais c'est pas beau ça les Quatermac? Moi j'adore. J'adore les Quatermac. Waouh. Il est magnifique. Vraiment. Clairement magnifique. Ben on va voir. Je sais pas du tout, du tout, du tout. À mon avis, il va nous one shot. Ce que je vais faire. Non. Attends, je vais nous soigner. Et celui-là, je l'appelle mon petit doigt. Hein. Si j'arrive à le choper, je l'appelle mon petit doigt, celui-là, les gars. On va soigner. Ouais, on va utiliser ça. Soigner Angel. Pardon. N'hésitez pas d'ailleurs, les gars, à aller faire un tour sur mon petit doigt. Alors, pas celui-là, celui qui est sur le live. Il a une chaîne qui est sympa. Et allez y faire un saut, un de ces quatre. Vous allez voir, vous allez pas être déçu. Il fait des lives pépouze, un peu comme les miens, tu vois. Il pourrait vous plaire. Sur un malentendu, ça peut passer, les gars. Enfin, moi j'ai trouvé très bien, donc je vais régulièrement voir ces lives en fait. Alors, attaquer. Ouais, attaquer. Oh, qui est-ce qui s'appelle attaquer dans un dessin animé? Dans un animé, pas un dessin animé, dans un animé. Allez faire un petit tour sur mon doigt. Dit comme ça, c'était pas terrible. Non, non, mais j'avoue, j'ai... tu vois, quand c'est passé, après, quand c'est sorti, j'ai compris que j'avais dit une bêtise. Ouais, on va envoyer un autre Pokémon. Mais un pas trop fort, c'est ça le problème. Je voudrais pas lui envoyer un trop fort.
On va prendre Didi quand même, mais on va y aller avec parcimonie. Je vais faire un double pied et puis on verra. À moins qu'on puisse lui envoyer une Honor Ball. Je sais pas, Master, si on lui envoie une Honor Ball, est-ce qu'on a des chances à l'attraper en un seul coup sans trop le fracasser, le Quatermac? Ou pas? Parce que là, j'ai tellement peur de lui faire un one-shot, en fait, à lui. Je vais essayer d'y envoyer une Pokéball. Non, quoi? Non, tu peux pas? Attention. Oui, c'est ça, Lio. N'importe quoi, ce Lio. Petit mais costaud, ouais, c'est ça, ouais. Kakashi attaqué, c'est ça, mais c'est ça. Mais oui, mais bien sûr. Pas Honor Ball, pas Pokéball. D'accord. Kakashi attaqué, exactement. Ouais. C'est l'instructeur de Naruto Uzumaki. Mais c'est ça, tu vois, ça me. Ça, je le savais, je l'avais en tête, mais j'arrivais pas à savoir. J'arrivais pas à savoir ce que c'était. Bon, mais écoute, on va lui faire un double pied, j'espère que ça va aller. Ouais, ça ira. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, on va pouvoir le pécho. À mon avis, on va se le pécho celui-là. Aïe! Aïe! Ouais, il est trop beau, vraiment trop beau. Allez, on va utiliser la Super Ball. Ben oui, quand même, mais c'est vrai, mais tu sais, mais j'en lis tellement des mangas et j'en regarde tellement en fait que des fois après tu sais plus quoi. Parce que par exemple, My Hero Company, c'est Bibi qui l'a trouvé et qui l'a découvert. Hein. My Heroes Company. Que Matteo, il pensait pas que son oncle il était comme ça, mais son oncle, il sait lui. Il sait, tiens, d'ailleurs, l'année prochaine, Matteo, si tu me proposes de monter à la Paris Games Week, je te préviens, je dis oui de suite. Hein. Ah ouais, oui, vraiment, Master. Ah ben voilà. Eh ben attends, regarde de quoi tu parles. Ah ben tiens, tu vois. Non, et. Alors là, j'y ai pas fait exprès, je te jure. Mais on va voir ce que Master, en quoi Master il évolue. Bravo. C'est le GG. On aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé, les gars. Faites un clip de ça, s'il vous plaît. Si c'est possible qu'il y en ait un d'entre vous qui fasse un clip dessus. Il y a juste à machiner dessus, là. Lio, tu me fais un clip, s'il te plaît? Ouais, il est vraiment trop beau, celui-ci. Vraiment trop, trop beau. Parce que moi je peux pas le faire de là. À ne pas confondre avec Dragon Ball. Ouais, non, alors ça c'est pas ça. Bunny Bobble, c'est pas ça. Plus il s'approchait de mes balles, plus j'avais les boules. C'est ça. Ça c'est un film avec Bruce Willis. Comment il s'appelait ce film avec Bruce Willis? Complètement fou. Hudson Hawk, exactement, il était incroyable ce film. Incroyable. Oui, ça c'est encore un film culte, tu vois. Hier, mon petit doigt, ou hier ou avant-hier, je sais plus, on était sur la Cité de la Peur. Et pareil, et celui-là, bon, un bon Die Hard, c'est incroyable. Mais celui-là qu'il avait fait après, mais il est incroyable. C'était une grosse rigolade ce truc en fait. Bunny Bobble. Plus il s'approchait de mes balles, plus j'avais les boules. Ouais, c'est exactement ça. Et ben pas mal ton évolution, Master. Pas mal du tout, même. Ah, ça c'est Lio qui s'en est chargé. Et bientôt, il va me refaire aussi un overlay de stream, je pense. Bientôt. Il me semble. À moins que le Père Noël me gâte et que j'ai ma cam avec le fond vert. Alors, les données de Cornvalus ont été ajoutées, ok. Merci, merci frère la galère pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut oublier? On va oublier une capacité, ouais. Il est vraiment beau, vraiment, vraiment très très beau. Alors, aile d'acier, fais voir un peu. Ah oui, aile d'acier 70, on va prendre ça, hein, et on va. Ouais, on va le remplacer. On va remplacer l'arrogance. Je pense.
Ouais, il était excellent ce film, vraiment. Vraiment, il était excellent. Il était du grand, c'était du grand n'importe quoi, mais il était vraiment excellent. Hudson Hawk, exact. Alors, Quatermac, ben Quatermac, on va l'appeler mon petit doigt du coup, hein. C'est mon petit doigt qui m'a dit que tu m'aimais encore. Allez. Mon petit doigt. Comme ça, au moins, pas de jaloux, tout le monde a ses. Tout le monde a ses Pokémon. Voilà. Oh my god, il craque. Ah non, alors figure-toi que je chante sur dans tous mes lives en fait. Il y a toujours une expression, un truc, un machin qui me fait penser à une chanson et vous y avez droit à chaque fois quoi. Et le jeu sur les lives, généralement, quand il y a Quipix ou Lionel, ils attaquent toujours par me dire des phrases dont ils sont sûrs que je vais prendre la chanson derrière et je vais prendre le contre-pied, tu vois. Généralement, c'est ça. Alors quand je suis en forme, je joue avec eux, puis il y a des fois, bah, je suis pas en forme donc je chante pas. Mais je chante souvent, ouais. Pas de sushi? C'est bon alors. T'es au top mon frère, t'es vraiment au top. On va essayer de passer par de l'autre côté. Ah, viens ici, viens ici, viens ici. Et voilà, il rechante, c'est exactement ça. Ah mais non, c'est le même. Bon, du coup, on va fuir. On va essayer d'en trouver d'autres. Parce qu'il y avait des petits diablotins tous les deux, tout à l'heure. J'aurais bien essayé 2-3 petits diablotins en fait, pour tout vous dire. À attraper, hein, bien sûr. Non, je vous vois venir avec votre esprit pardon, mal placé. Est-ce qu'on peut repasser par là? Mais bien sûr qu'on peut repasser par là, mais c'est tout sombre, on n'aime pas la sombritude. Ah, c'est super joli ça! C'est GG. Bien sûr que t'as un Pokémon qui a ton nom, Mathéo. C'est un Pokémon de type sucre. C'est vrai en plus. T'as un Pokémon de type sucre qui a ton nom. Regardez comme il est joli celui-ci là-bas. C'est vrai. Salut les gars. Alors, toujours la moustache? Mais t'as deux Pokémon en fait qui ont ton nom, Mathéo. Le deuxième, je sais plus. Je crois que c'est un type électrique. Il est choubidou à la crème d'ailleurs, du reste. Les trains, c'est quand même super. Hein. Ouais. Ça permet de transporter plein de gens avec leurs Pokémon. T'es d'accord? Hein? Bah, un petit peu, ouais. On est venu en train encore. J'en ai marre du train-train quotidien. Oh, si elle est mauvaise, celle-là. Il me faut un combat contre toi. Allez, viens là. Celle-là, elle est très très mauvaise. Il me faut un train-train quotidien. Alors, Lily et Yann, les intrépides, veulent se battre. Tum, 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 tum. Et merci, à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir ses lives et sa chaîne, les gars. Je vous mettrai le je vous mettrai je vous mettrai le lien en description. Non, je sais pas comment on fait, mais je vais essayer d'héberger ta chaîne régulièrement en fait. Si ça te va, hein, j'ai pas beaucoup plus d'abonnés que toi, mais ça me ferait plaisir en fait. Tout simplement. Eh bien, une bonne soirée à toi, un bon forum et mange bien, bois bien, mais avec beaucoup de précautions. Yann, les cheminots envoient un fenard. Le fenard, le fenard, le fenard, on va prendre quelque chose de type eau. Et puis voilà. Exactement. Ah, mais pourquoi j'ai. Ah non. C'est bizarre. Bon, enfin, moi. C'est avec plaisir, tu sais. Vraiment avec plaisir. J'ai pas plus d'abonnés que toi, hein, mais. Guère plus, en tout cas. Mais il n'y a pas de souci. Avec le plus grand des plaisirs. Je peux pas le lever, lui. Parce que là, si tu veux, ça m'arrange pas. Efficace et pas cher. C'est la watt que je préfère. On va faire ça. On va faire une étincelle. Mais je sais pas sur qui en fait. Sur Lily? Allez, on va faire une étincelle sur Lily en fait. Toi aussi, t'en as marre de ton train-train quotidien? Que voulait-il dire par là? C'est ça, ouais. C'est exactement ça, ouais. Ah là là. Et du coup, on va attaquer super efficace ici, et puis on va attaquer sur le super efficace parce qu'on est comme ça, nous. On est des hommes efficaces.
À tout bientôt, à tout bientôt. Et quand j'attaque le même jeu que toi, bah écoute, si tu veux venir pour me donner des conseils, ce sera avec plaisir. Et surtout à construire des belles éoliennes. À bientôt, auriculaire, c'est ça? Mais ouais, mais c'est majeur. C'est un auriculaire majeur. D'une importance majeure. Et l'autre. Tiens, on va faire un tombe roche et on va le faire là-dessus. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa, les gars, d'être là. Ça fait plaisir, hein. Ça fait deux lives que je fais ce soir et vraiment, vraiment avec du monde. Donc, du coup, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, dû ne pas faire ça tout seul, mais en plus, dans l'optique d'avoir, de devenir affilié assez vite, en tout cas. En essayant d'être affilié assez vite. Ce qui serait vraiment pas mal. Il en manque que 25. Il nous manque 25 followers. Et puis après, et une moyenne de bien sûr, de 3 visionnages en moyenne sur la chaîne. Et puis on pourra être affilié. Ce serait vraiment une consécration. Depuis un an et demi qu'on se... Un an, pardon. Tout juste qu'on se donne du mal. Ça serait pas mal que ça progresse. Vraiment. Ok, à toutes, Master, à toutes. Du coup, celui-là, écoute, on va lui mettre une petite étincelle qui est efficace. Et on va lui mettre un pistolet à eau, forcément, très efficace là-dessus. Le problème, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de trucs de type eau. Par contre, il nous brûle, mais c'est infâme ce qu'il nous fait. Je sais pas pourquoi il nous a mis lui d'office, mais c'est pas grave. Tiens, qu'est-ce que... Efficace, pas très efficace. Efficace, tiens, on va prendre Didi, mais sans... Angel est KO, par contre, on le re-soignera, le pauvre Angel, c'est pas grave, hein, les gars, hein, mais... Allez, on va attaquer ça. On va faire comme ça. Bim. Et là, on va faire... notre pistolet à eau, je pense que c'est pas mal. Hop là, là-dessus. Du coup, si vous me voyez tourner la tête, c'est parce que j'ai installé l'autre ordinateur, le deuxième ordinateur, pour avoir l'aperçu correct du live. Et du coup, ça m'aide un peu, ouais. Oh mon bateau, géant vert, c'est pas le même. Pourquoi tu commences avec ça et avec géant vert? C'est bizarre ton histoire. Oh non, j'ai perdu, puisque c'est comme ça, je fais grève. Ah tiens, il fait grève, c'est un cheminot celui-là, il fait la grève. Tu es trop fort pour moi, et dire que je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un que je puisse battre. Et non, pas cette fois. Oh la vache, le mélange. Et ouais, c'est pas terrible ton mélange là. Avant de partir, laisse-moi dormir tout contre toi. C'est ça. C'est, tu comprends, c'est ça. Alors, je t'invite à aller voir la chaîne d'Auducine. Même si là, ça stream. D'accord, et ben écoute, je regarderai ça, ouais. Je regarderai ça. C'est ça. Que je te respire une autre fois. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, pas celui-là. Non, il est infernal ce champignon en fait. Il a été infernal à changer. Bonne soirée à toi aussi, merci. Merci beaucoup en tout cas. Non, on va fuir. On va se carapater. Prendre notre jambe à nos coups et hop. Ouais, et puis j'ai une bonne discographie en fait, tu vois, elle est vraiment très très large, elle va de, je sais pas moi, Led Zeppelin à j'en sais rien, à ce que tu veux quoi, à Ed Sheeran, en passant par du Jean Ferrat et voilà quoi, et j'en passe et des moins bons, tu vois, et j'en passe et des moins bons en fait. Coucou Master, c'était rapide, ouais, j'ai trouvé.
C'est pas. C'était assez rapide, ouais. Comment on fait? Comment fait-on? Il y a quelque chose qui brille, mais je peux pas le prendre. Tu le vois pas? Tu peux pas. Elle est vraiment magnifique cette forêt. Hein. Ah bonjour madame! Ah, regardez ici! Non! Scheiße! Ah! Scheiße! Alors, d'aucuns disent que certains champignons réagissent quand on les effleure. C'est ce qu'on a vu. Mais qui c'est ce Ed? Mais qui c'est ce Ed? Mais tu sais, c'est là où tu vas faire tes courses chez Ed. Martine, la mondaine, veut se battre. Martine, elle va à la plage, Martine, mais c'est pas une mondaine, si? Ah, tu leur fais des bisous? Je passe souvent sur ton serveur. J'aime beaucoup ton serveur. Tu as fait quelque chose d'incroyable. Si j'avais eu la dextérité et l'intelligence d'arriver à faire ça. D'ailleurs, si vous voulez avec Scream faire peau neuve de mon serveur, vous pouvez. Vous avez mes cartes blanches violettes. Allez, on attaque. Ouais, on va faire un tour broche finalement. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ah, c'est bien efficace. Ça marche plutôt pas mal le temps broche finalement. C'est oui messire. Et oui messire j'aime bien. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire une morsure pour finir ou un coup de boule? Tiens, un coup de boule. On va lui faire ça. Comme ça la prochaine fois on saura ce qui est efficace ou pas. On a vu quelque chose briller donc du coup on verra bien. Ah ouais, j'aimerais bien, ouais, ce serait vachement bien, ouais, pour Noël. Oui, messire, non, messire. Oui, messire Mastermon, exactement. Carte blanche violette, exactement. Moi, tu sais, les gens, quand ils sont forts, j'aime bien. On va le garder, mais par contre, pourquoi elle nous... J'ai pas vu ce qu'elle nous a envoyé. On va prendre Didi, fais voir. On va envoyer Didi au combat, ça devrait être plus efficace. J'aime beaucoup son évolution aussi à Didi là, celle-ci est vraiment très très bien quoi. Franchement je suis tellement content de pas m'être spoilé les évolutions des persos. Tiens on va lui faire une aire de feu à celle-là, ça devrait faire son office je pense. Ah c'est bien mais pas tant que ça finalement. Oula, elle est énervée? Ou lui il est énervé? Si tout le monde s'énerve. Du coup, fais voir, on va faire un ballon brûlant, j'aime bien. Zidane est de retour, regardez bien les gars, il y a Zizou qui est là. C'est un nouveau Power Ranger, soit exact. Attendez, 2 secondes. Ok, ça va repartir les gars, n'ayez crainte, c'était juste un coup de téléphone donc ça me fait chuter un petit peu. Ça va repartir tout naturellement. Tranquillement, n'ayez pas peur. Dis-moi quelque chose que tu aimerais bien que je fasse sur le serveur. Peut-être un petit jeu, ouais, j'aimerais bien un petit jeu aussi, ce serait pas mal. Ouais, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, donc je suis désolé les gars, ça fait chuter un petit peu le truc, mais il y a pas de problème. On va voir le coup de pied de Zizou, ouais, exactement les gars. Allez, on y va. On va regarder ça. Donc c'est une personne assez âgée qui vient d'essayer d'appeler, donc du coup peut-être il va réessayer juste derrière, donc n'ayez pas peur. Ah, on a quand même remporté 6000 Poké-Dollars, ça c'est plutôt pas mal les gars, ça j'aime bien. Attention au coup de boule de Zazou. Ah oui, Zazou c'est pas pareil. Zazou quand il fait un coup de boule, forcément c'est pas pareil, ouais. Et là du coup, ah, qu'est-ce qu'on a? Caché juste derrière l'arme, on n'a pas vu. Ah non, pas un sucrotin. C'est dommage, il y en avait un qui était beau tout à l'heure, on n'a pas pu le choper, c'est vraiment dommage. Qu'est-ce que j'aime bien? je sais pas trop. On peut faire un jeu sur quoi comme style de jeu on peut faire?
Quel style de jeu peut-on faire? C'est ça le truc. Ah, on va essayer de le... mince, je suis avec qui? Non, je suis avec Ethan, donc ça peut le faire. Ça peut le faire. Fais voir un petit peu. Efficace, efficace, pas très efficace. Écoute, on va faire ça, un tombe roche. Et puis on verra bien. Comment ça? Qu'est-ce que c'est le truc fourbe? Comment ça, les filles à poil? Mais vous discutez de quoi là, les gars? Je comprends pas. Attends, on va lui envoyer une super bol à celui-là. On va réussir à l'attraper, je pense. Ah bon? Mais qui ça, le fourbe? Ah oui, le fourbe, ah oui. Ah, c'est possible, c'est possible. C'est possible que le fourbe aime ça, ouais. Je comprends rien. Ouais, non, non, mais j'ai vu le nom du Pokémon, ouais. Il est rigolo. C'est Fourbelin. Ah, c'est un ténèbre et type fée, celui-là, d'accord. Mais il est pas très très beau. Mais c'est pas grave, on l'aime bien. On va l'appeler comment, lui? Comment on va l'appeler? Tiens, on va l'appeler... Josiane. Eh ouais. Josie, on va l'appeler. Pour diminutif de Josiane de Coucounietos. N'importe quoi, j'aime bien Josie. T'as qu'à lire? J'ai qu'à prendre 2 secondes pour lire. Attends. Mais pourquoi? Mais vous êtes où là? Mais qu'est-ce que vous me faites? Oh là là. Oh là là. Ah, d'accord. Oui, d'accord, Lio. Ok. On va ranger l'objet web. Et lui, on va l'envoyer dans la boîte de PC. Pareil. Oui, excuse-moi. Non, mais c'est pas simple de tout suivre, vous savez, les gars. Ouais. C'est une très très bonne idée, Master. Vraiment très très bonne. Vraiment une très très bonne idée, ouais. Et tu feras un bisou à Scream, en fait. La dernière fois, il est venu sur le live. Et comme son pseudo était un peu différent, j'avais pas fait le rapprochement. En fait, je l'ai fait que secondairement. Je l'ai fait qu'après. Il est pas mal, cet endroit-là, je trouve. On trouve un lichen lumineux, d'accord. Et ces champignons, vous croyez qu'ils sont juste là pour faire beau, hein? On peut pas... Est-ce qu'on peut passer par là? Oui, on peut passer par là. Il y avait le... Ah, une belle Pokéball ici. Alors, demi-tour. Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et échange de place avec un Pokémon de l'équipe prêt au combat. D'accord. Bon, ça peut être pas mal, ça, ceci dit, les gars. Ça peut être pas mal. On va descendre. Est-ce qu'on peut descendre par là? Non, pas du tout. On peut pas. Tu peux pas, le chat. Donc, on va faire le tour. On n'a pas le choix. Et mais il faut faire le tour ou on peut retourner par là? Ouais, on peut retourner par là, c'est bon. Là, c'est la petite dame, très très gentille. Par ici, non. On a quelque chose ou on a rien? Si, il y a quelqu'un? Non, on les a. On est déjà passé par là. Lionel! Mais qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. Tu vas voir que je l'ai mis dans l'équipe. Mais non, mais n'importe quoi. Je l'ai mise dans l'équipe. Tu vois, je suis pas attentif. Je l'ai remplacé par qui en plus? N'importe quoi. Fais voir. Déjà, on va l'envoyer lui au combat. Et puis en plus, on va s'enfuir très vite de là. Et je vais remanier ça parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok. On peut pas s'enfuir pour de bon? Oh. Tiens,
Tiens, on va essayer de faire un ballon brûlant, on verra bien. Et non, je peux pas. Mais ouais, elle est meilleure que ton idée avec les filles, ouais, exactement, ouais. Akimitsu dessus. D'accord, ok. Ah bah il va le faire, hein, c'est sûr, hein, 200%. Allez, on va essayer de fuir. Parce que... En fait, ça nous arrange pas cette histoire. On va se mettre ici tranquillement, essayer de pas se faire agresser. Tiens, regarde juste là, sous le champignon. Tout joli, tout gentil. Puis on va... Non, c'est pas ça. On va regarder un petit peu. Parce que là, j'ai fait de la bouse. Mais vraiment. Alors, déjà, on va le soigner. On va soigner Lio déjà, en tout premier. Bébé, voilà pi, voilà pas, voilà poum, il est où? Super potion. Non. Un rappel, il est là, le rappel. On va utiliser. Master. Du coup, le rappel, c'est fait. On va utiliser une super potion. Allez, tiens, une hyper. Non, hyper, ça fait trop. Voilà, une super comme ça. On aurait dû en prendre plus, hein. Je pense, pardon, excusez-moi. Ok, et là, on va retourner en arrière, on va regarder ce qu'on a. Tout le monde est un peu, et pas très bien. On va déjà déplacer Didi, on va le prendre, on va le mettre là, comme ça. On va le prendre, on va le soigner. Yop. Alors, on va lui refaire une super potion, ça devrait le faire. Mais je sais pas pourquoi je l'ai remplacé là, j'arrive pas à savoir. Ah mais si, mais par Angel, mince. On l'a remplacé par Angel, zut. Ouais, donc du coup il faudra remettre Angel dans l'équipe tout à l'heure. Je suppose qu'on peut pas le faire, on peut pas le faire d'ici. Sélectionner un Pokémon. Si, on peut le faire d'ici, avec R je suppose. Exact. Alors du coup il est où Angel là? Boîte numéro 1, non, Angel il est là, bim, déplacé, oui, et on va le remettre là, parce que ça, ça va pas du tout, tu comprends? Tu te calmes, Josie. Ouais, vous avez pris des dollars encore, ouais, exactement. Normalement, je sais pas, j'y suis jamais allé, du coup, donc je sais pas si vous pouvez, déjà vous pouvez avoir votre rank, je pense. Si tu t'apprends quel level, tu dois pouvoir y arriver. Et après, ce que je sais pas, c'est à combien vous êtes en fait pour d'argent. Parce que quand vous arrivez, quand vous assistez au stream, vous avez de l'argent virtuel qui tombe sur un compte que vous avez. Et du coup, ça vous permet d'acheter des choses derrière. Mais normalement, ça... Oh, c'est magnifique. Oh, c'est super joli. Et normalement, vous avez le droit à des... ça vous procure des choses. Voilà, il y a des objets à vendre, mais c'est de la vente virtuelle, hein, bien sûr. Et les objets à vendre, c'est un fond d'écran, c'est des fonds d'écran, des trucs, des machins. C'était vraiment anecdotique, c'est vraiment pour dire, tiens, on va lui prendre des choses. Bienvenue à la boutique, que désirez-vous? On veut acheter. Alors, on va reprendre quelques hyper potions. On va en reprendre 4. Je pense que c'est raisonnable. Parce que nous sommes raisonnables. Et on va reprendre des super potions aussi. Parce que là, clairement, on n'en a pas beaucoup. On va en reprendre 10, c'est bien. Est-ce qu'on reprend quelque chose ou pas? Ah, elles sont jolies ces émoticônes. J'aimerais bien qu'on... Après, tu te souviens les... Les emojis que tu m'as fait sur le Discord, j'aimerais bien, bon, pour l'instant on peut pas, mais quand on pourra, quand je serai affilié, qu'on les mette dans les images du chat en fait. Ce serait bien qu'on puisse faire ça, j'aimerais bien en tout cas. Mais je te laisserai le soin de le faire, parce que je suis pas sûr de savoir le faire en fait. On rachèterait des Pokéballs, oui, peut-être. On va racheter des Pokéballs. Je dis... non, pas des Pokéballs, mais des Super Balls, par contre, les gars. Comme ça. On va en acheter 10. Voilà. On va faire le tour de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas.
Antidote, on en a 7. Antibrûlure, on en a 3. Je vais en prendre quelques-unes de plus. Ouais, on va en prendre 4 de plus. Ouais, c'est sympa ça, c'est vraiment sympa. Mais ça, tu vois, on pourra l'intégrer si tu veux au chat. Que si je passe affilié pour l'instant, normalement on n'y a pas droit, je pense. Oh, il a dû le lire, je pense, ouais. Mais ou s'il l'a pas lu, on lui rappellera. On lui rappellera. C'est un bot sympa, mais en fait, ouais. En fait, je savais pas que ça existait ce genre de bot. Mais là, si tu mets ça sur un Discord, il faut forcément que faire une restriction, pardon, moins de 18. Ok. Voici pour participer. Au plaisir de vous revoir. Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon. Repousse, non. Poképoupée, on n'en a pas besoin. Attire les Pokémon, permet de s'enfuir d'un combat contre un Pokémon sauvage. Ah tiens, on pourrait quand même en prendre de ça là. On essaierait. Ça fait beaucoup, on va en prendre 2, on pourrait essayer. Tu sortais un gâteau du four. C'est cela, oui, c'est cela. Ok, allez, c'est bon. J'ai l'ordinateur qui s'est éteint à côté de moi, donc du coup j'ai plus de retour. Mais c'est pas grave, ça doit bien se passer, je pense. Hop. Pas de soucis, pas de soucis. Tu retournes sur Discord? Pardon. Mais pour le mettre, c'est ça? Mais tu l'as mis sur ton serveur? Non, j'ai pas vu ça, si? Non. Allez, on continue l'aventure, les gars. Non. Merci à toi. On va venir là. Bienvenue au centre Pokémon, nous soignons vos Pokémon. On va en profiter pour passer sur la machine qui est juste à côté, par contre. On va faire soigner notre équipe. Après, on va regarder les Pokémon qu'on a envoyés en mission. Et on va essayer de les récupérer. Et aussi, ce que j'aimerais faire, en fait, pour tout vous dire, on va essayer de regarder la carte. On va sortir de là et regarder la carte. On va passer par la carte. Ce que j'aimerais, c'est aller à la... Où est-ce que j'avais confié mon Pokémon? Est-ce qu'on peut s'y... Oui, on peut s'y machiner. S'y télétransporter, pardon, s'y téléporter. Est-ce que... Où est-ce qu'on avait... La ferme de Monsieur Seguin, elle était où? Magasin, ingrédients, boutique, what? C'était pas ça. Ça, c'était quoi, ça? Garderie Pokémon. Ouais, on va se téléporter là, là. Je veux juste aller essayer de récupérer un Pokémon, en fait. De type électrique. Pour tout vous dire, on va essayer de voir. Salut mademoiselle. Eh hey, mademoiselle. Alors, ton Pokémon tenait un œuf. Est-ce que tu souhaites le récupérer? Oui. Ok, on a récupéré un œuf. Je sais pas. Alors, que voulez-vous faire de cet œuf? Consultez le résumé d'œuf. Consultez le résumé de l'équipe. L'envoyer dans une boîte de PC, je pense. On va faire ça. Ça sert à quoi, du coup, les œufs, Master? Toi, tu sais, toi. Alors, prends bien soin de lui. Oui, merci. On va rentrer là-dedans, par contre. On va voir un petit peu. Hey, bonjour, mon petit. Qu'est-ce qui t'intéresse? La garderie, les œufs, les Pokémon confiés. Fais voir un petit peu. Qu'est-ce que je t'ai. Tu souhaites obtenir un œuf de Pokémon? Il ne faut pas laisser deux Pokémon au hasard. Tu peux, par exemple, nous confier deux Pokémon de la même espèce ou de sexe différent. Cela fonctionne aussi si les deux Pokémon sont d'une espèce différente à condition qu'ils soient assez similaires, d'accord. Eh mademoiselle, t'es charmante. Eh mademoiselle. Ça te dirait une glace à la menthe. C'est très rigolo. Même au cas où certains Pokémon ne donnent aucun résultat. Mais moi je pensais qu'on pouvait les récupérer les Pokémon confiés, Master, tu peux pas les récupérer? Fais voir la garderie. Nous occupons des Pokémon, confiez-nous. Cela rend spécial, plus puissant. Mais si tu nous lances en laisses deux, pardon, il se peut que nous trouvions des œufs. Voilà. Profiter de nos services à ma petite fille à l'extérieur. Mais moi je veux bien. Ben rien, merci. Oui, je préfère les blondes. Ouais, exact. Mais Lio, ouais, toi, t'aimes bien les brunes, ouais, effectivement.
La raison de son absence est personnelle. Moi, je sais, mais je n'ose rien dire. D'accord. D'accord, ok. Allez. Alors, qu'est-ce que... Récupérer un... Ah, voilà, récupérer un Pokémon. Pokémon sont en pleine forme. Mimisange. Et ça, ben, c'est pas ça, alors. C'est pas ça, c'est pas là. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis, en fait. Pour tout vous dire, j'ai un Pokémon. Est-ce que si tu l'as mis dans une ferme différente... non, on va pas prendre ça, on va faire ça. On va retourner sur la carte. Et on va retourner... je crois qu'il y en avait une autre de garderie quelque part, non? Fais voir. Sentier de la gare, non. Bon, bah écoute, on va retourner là, là. Où est-ce qu'on était? On était ici, non? Non, pas là. C'est trop haut. Ici. Mais écoute, on va retourner là, mais je suis dubitatif. Il m'avait semblé que j'avais un Pokémon que j'aimais bien, et je sais pas où il est. Mathéo, il a bouclier, c'est vrai? Sympa ton vélo, Lolo. Eh ouais, t'as vu ça un peu? Il suffit de siffler, elle te les rend, d'accord? Dans les terres sauvages. On va re-rentrer là, et je voudrais regarder un truc. Bonjour, que veux-tu faire? Donc participer à la loterie, non, voir l'émission du Poké Service, ouais. On va attaquer ça, et puis après on ira jusqu'à l'arène. Et je pense que ça ira. mission accomplie, je vais essayer de ramener tout le monde, et comme ça je vais bien voir... il me manque un Pokémon, je sais pas où est-ce que, du tout où est-ce que je l'ai mis en fait. Dans les terres sauvages, l'autre garderie. Exact. Alors peut-être que c'est là-bas que je l'ai mis en fait. Je vais aller regarder un petit peu. On ira regarder ça tout à l'heure. Ah oui, ça les fait vraiment monter en XP en fait. Parce que... Ah, ça leur fait gagner... Là, ça leur a fait gagner 6000 points quand même. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Ah, c'est trop beau ça, ce que t'as fait, ma soeur. C'est incroyable. Et on peut les rajouter au chat ou pas du tout? Aux émoticônes de chat, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse les rajouter pour l'instant. Il faut vraiment que je devienne affilié, en fait, à mon avis. Bah ouais, c'est pas grave, hein, les gars. Mais ouais, ils sont super, tes trucs, là. Allez, mission accomplie. Construction navale, ouais, déjà ça gagnait un petit peu moins. L'autre, elle était vraiment très très forte en fait. Et celle-ci, on renverra d'autres Pokémon tout à l'heure. Ce que je veux faire, c'est trouver mon Pokémon, le Pokémon qui me manque. J'aimerais bien le mettre dans l'équipe en fait. Mettre un Pokémon de type électrique, mais vraiment 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 fort. Ou pas d'ailleurs, mais je le trouve très très beau. Il a une belle bouille, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Ouais, ils sont sympas ceux-là, hein. Vraiment, vraiment j'aime bien. Miro semble avoir quelque chose à vous donner. Qu'est-ce qu'il veut, Miro? Du coup... Ah oui, il y a plein de missions, là. Écoute, on va quand même lancer vite fait une mission. Ça mange pas de pain. Lio et Akimitsu, c'est ça. Tiens, on va faire progresser celui-ci. Et bonsoir. Ça va, ma chérie? Ça va. Oui. On va faire progresser, je sais pas moi, ça. Le Donald, par contre, on va refaire progresser. Tiens, Cerise. De Groupama, bien sûr. N'importe quoi. Celui-là. C'est pas gentil, désolé Lio. Mais si. Tiens, celui-ci aussi. On va en faire machiner quelques-uns. Allez. Longue durée, oui. Loulou est dans la chambre, hein, ma chérie.
Il y a Monsieur Giraud qui a essayé de m'appeler. Tu voudrais essayer de... J'ai pas pu décrocher du coup. Monsieur Giraud. Ah bah appelle Mag, c'est pareil. Masterman te demande si tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Mais il va bien, écoute. Elle m'a fait une surprise, elle est venue sur le live cet après-midi. Comment elles vont tes copines? Tu leur as dit de s'abonner? Non. Ça c'était entre le goûter et le loto. Ah ouais, c'était rigolo ça, entre le goûter et le loto, j'ai trouvé ça très très drôle en fait. Si tu veux tout savoir. Tiens, celui-là. Bastard, on va faire. Et puis. Tiens, Kara. Ouais, maman la galère, elle nous a fait une surprise tout à l'heure. Elle est venue sur le live, j'étais mort de rire. C'était tellement sympa, c'était vraiment sympathique en fait. J'ai trouvé ça très drôle. Allez hop. Allez les gars, au boulot. Allez évoluer un petit peu. Et donc, on va faire cette mission là, et après, je crois qu'on est bon. On peut pas en faire plus de 3, je pense pas en tout cas. Tiens, fais voir, on fait un peu au hasard hein, les gars. Ah non, par contre, ouais, Neige, on va l'envoyer. J'aimerais bien voir son évolution, même si Amandine est avec nous. Le chauve-souris, pareil. Miro, pareil. Stallone, pareil, on l'envoie. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Ah, lui, j'aime bien. Elle, pardon. Toka, j'aime bien Toka Geki. Voilà. Elle va bien ta jolie sœur, elle est contente, elle est rentrée de travail, donc tu sais quand elle est rentrée de travail, elle est toujours contente. Comme tout le monde, je pense. Bon, tu nous as pas raconté ta croustille alors, comment elle est, est-ce qu'elle est gentille, tu nous as pas dit Master. Allez hop, on passe par là. On va aller revoir sur la carte et on va aller essayer d'aller. C'était dans les terres sauvages, mais c'était celle-ci de terres sauvages, non? Fais voir un petit peu. Centre Pokémon, Saldolstein. Est-ce que c'était là? Centre Pokémon, non. Il y avait des terres sauvages, oui. Garderie Pokémon, celle-ci on y est allé déjà, non? Ou j'ai rêvé? Là, il y a une garderie Pokémon ou je rêve? Juste là, sur la route numéro 4, au-dessus? Non? On est d'humeur à rire ce soir, oui, exact. Il y a toute la famille, du coup, par la galère. Maman la galère, fils la galère, tout le monde, exactement. Je crois que c'était par là, mais j'en suis pas sûr. Remporter le badge du stade de c'est possible que ce soit là. Allez, on va essayer de s'y rendre. Attends. Attends, on va voir. Trou de Watts. Je me souviens plus du tout est-ce que c'est Master. Non, c'est pas là. Il se bat dans l'arène, Mathéo? Laquelle? Laquelle de reine? Elle va avoir mal. Hein. Du coup, je sais pas trop. Vraiment, je me souviens plus où est-ce que c'est. On va peut-être aller là. C'est peut-être par ici. Parce que là, on sort de... Tu te souviens où c'est ou pas, Master? Il joue juste à côté, c'est vrai? Ah, c'est rigolo, ça. C'est rigolo. De toute façon, il y a bien que quand il est chez toi qu'il vient sur les lives, ce petit, il me semble. Il y en avait une autre, hein, mais je me souviens plus du tout. Je crois que c'est là. Hein. Je crois que c'est par là. Ah, c'est bien ça, bravo! C'est vachement bien! Je me souviens plus où est-ce qu'elle est. Mais j'ai dû le donner. Bon, c'est pas grave, on refera. Je la retrouverai, c'est pas grave.
J'essaierai de voir de mon côté. On va pas passer 2 heures là-dessus. J'essaierai de voir ça de mon côté. Allez, hop. Elle est magnifique cette ville. Vraiment, vraiment magnifique. Salut. Waouh. C'est beau les couleurs, vraiment. Bon, alors, vérifions s'ils ont juste une cuisine ou s'ils ont autre chose, ceux-là. Ah, ils ont une cuisine et une salle à manger. C'est tout. Voilà, c'est tout. Bonjour, tu joues à Colamaya? Mais chut, je parle avec quelqu'un là. Ah, pardon, autant pour moi, désolé. Bonjour, monsieur. Alors, pour traverser la forêt de Lumirinthe, sans peine, allume les champignons lumineux. D'accord. Bonjour, les filles. Le stade, c'est aussi un tout petit théâtre. D'accord. Oui, je sais, je me doute, oui, je me doute, je l'avais pas dit. Je pense pas à toi, c'est pour ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. Vraiment. Vraiment désolé. Excusez-moi. Allez, hop. On a quelque chose juste là. Alors, le grand champignon assez rare, il est très populaire parmi certains fans dévoués. Ok. J'aurais plus de cadeaux de Noël. Mais si. Mais si, s'il te plaît, allez. Bonjour madame. Alors, comment ça? Tu as remporté le badge de l'arrêt Touch Tire? Exactement. Alors, dans ce cas, je pense que tu auras fait bon usage de cette CT. Ah, on reçoit châtiment. Ça, c'est parfait. Alors, il consiste en quoi le châtiment? Attaque acharnée qui cause davantage de dégâts à l'ennemi si. Elle a un problème de statut, pardon. Re, comment tu vas, mon petit Didi? Ça va? Tu t'es reposé un peu? J'espère que tu vas mieux. En tout cas, t'étais pas très très en forme. Ah, attends. On l'avait pas vu, la dame là. Bonjour madame. Tous les dresseurs ont un moment d'hésitation lors de l'évolution dans leur Pokémon. Certes, ils deviennent plus forts, mais ils changent aussi d'apparence à jamais. Eh oui, c'est vrai. Ah bah tant mieux master, tant mieux, tant mieux. On est rendu... Cool, dans ce cas je vais te montrer ça au cours d'un combat. C'est parti, d'accord. Allez, un combat. On est rendu dans la ville, dans une ville avec plein de lumière, toute lumineuse, toute jolie. Evelyne l'éleveuse veut se battre. Moi je croyais qu'Evelyne c'était une bijoutière, mais finalement pas du tout. On ira se re-soigner du coup juste avant d'aller à l'arène. Ouais, ben on va lui mettre un petit peu de. Ouais, une nitrocharge, ça devrait le faire, moi je pense. À mes avis, que ça devrait le faire. Parfait. Un Coléodome. Je suis l'époux de la reine, poux de la reine, poux de la reine, le roi Ménélas, Ménélas. Désolé, elle est sortie tout seule. Alors, vous avez battu Evelyne, ok. Tu as réussi à percer les solides défenses de mon Collédome. Chapeau bas. Puis en plus, on fait un peu d'argent. Pardon, ce qui est un peu pas mal. Ok. Evoluroc. Ah, pas mal. Alors, objet à tenir, un étrange concentré d'évolution qui augmente la défense et la défense spéciale d'un Pokémon pouvant évoluer. D'accord, ok. Donne l'Evoluoc à un Pokémon qui peut évoluer pour booster sa défense et sa défense spéciale. Ok, c'est exactement ce qu'on avait lu. Merci mademoiselle. Mais on a bien fait de passer par là du coup. Ça m'arrive, ça m'arrive souvent, ça m'est arrivé souvent ça, Master. Et c'est tellement bon quand ça arrive en fait. Vraiment. Alors, par où on passe là? D'accord, là on retourne à l'entrée. Par contre, on a une petite Pokéball là. Non, il s'appelle Loulou celui-là, regarde. On trouve la CT21 repos. Ok. Par contre, tu vois, des CT, on en trouve beaucoup plus que. On va se re-soigner. On en trouve beaucoup plus que sur l'autre opus, en fait. Alors, bonjour et bienvenue au centre Pokémon. Allez, soigne-nous tout ça, ma chouchounine à la crème d'asperges, mais vertes, bien sûr, parce que ce sont les meilleures.
Ouais, mais ça peut jouer en ta faveur aussi certaines fois. Donc il faut juste sentir le vent et pas trop attendre. Il faut pas devenir le bon copain quoi, parce que ça arrive des fois et c'est plutôt pas terrible. Mais j'ai eu comme ça à l'école une fille qui me faisait bafouiller en fait, j'y arrivais pas. Et j'ai jamais réussi, mais vraiment jamais quoi. Et je le regrette, c'était complètement idiot. J'aurais dû tenter, en fait, machin. Je l'ai revu bien des années plus tard. J'avais une vingtaine d'années et ça m'avait refait la même chose. C'est-à-dire impossible de lui parler. Tout ça bafouillait, c'était impossible quoi. Mais vraiment impossible. Non, à une seule manette, Didi, regarde. Juste ça. Je joue qu'avec une en fait. Avec la grosse manette, même si on peut jouer avec une seule manette, j'avais commencé comme ça, donc je continue comme ça. Eh, salut Ethan! Tu as déjà 4 badges? T'assures? Faut que je fasse gaffe. Perk perk, il dit perk perk celui-là. Alors tu vois, même Morpeko se méfie. Haha, Morpeko il s'appelle. Ou alors c'est qu'il t'aime bien. Morpeko, t'es sous le charme? Alors t'es pas cool Morpeko, je te signale que c'est mon adversaire. On est en pleine compétition contre lui et toi fais ce genre de plan. Enfin bref, on sera amené à se revoir, donc je te donne ma carte de la ligue. Et du coup à quoi ça sert ces cartes de la ligue? Parce que tout le monde me les refile mais je m'en sers jamais, donc je sais pas du tout à quoi ça sert. Eh ben, persévère, persévère. Mais c'est pas grave, tu peux prendre ton temps. Hein. Y a pas de problème à prendre son temps. Hein. Ouais, c'est exactement ça, Didi. Alors, il reste plus beaucoup de challengers en lice. Tâche de tenir jusqu'en finale. Ouais, on va essayer en tout cas. Ma bonne dame, ma bonne copine, ma bonne amie, ma bonne mademoiselle. Alors, du coup... On va regarder quand même. Parce que ça me chagrine au niveau du Pokédex. Je comprends pas que je le trouve pas. On peut peut-être pas par là, si. Voilà. Je sais, comment je l'avais appelé? C'est un T. C'est un topaz. Un taux quelque chose de type électrique et du coup je sais pas où il est, je sais pas où je l'ai mis, je l'ai capturé c'est sûr, mais du coup je l'ai pas et j'aurais bien aimé le faire évoluer en fait celui-là, parce qu'il est de type électrique et en fait j'aurais bien aimé. Je l'ai bien capturé quand même. Alors excusez-moi, on va faire un petit tour mais... pas du tout. Pas là. Pas là. Mais j'en ai. Il y en a encore beaucoup. Combien il y en a de Pokémon sur cette version là? En fait. D'accord. Ok. Donc je vais pas chercher là. Hein, parce que ça risque d'être long. Franchement, je sais pas où il est passé. Il faut que je regarde. J'ai dû le mettre en gardiennage quelque part en fait. Mais j'arrive pas à savoir où. À mon avis, c'est la première. Voilà. C'est lui. Je le trouve trop beau. Toxizap. Voilà. Et moi, je l'appelais Topaz. Et en fait, celui-là, j'aimerais bien le. Oui, voilà. C'est ça. Et celui-là, j'aimerais bien le retrouver. Je sais pas où je l'ai mis. Donc en cas je le rechasserai dans les terres sauvages parce que j'aimerais bien le faire évoluer en fait, il est magnifique, enfin je le trouve très joli en fait, pour tout dire. Alors l'évolution je sais pas mais du coup je le trouve bien. Allez, on va du coup repasser par là, on va aller voir l'équipe. Normalement ça devrait être bon cette équipe là, on va y aller avec ça et puis on verra bien les gars. Allez.
Et oui, Wybot, il a raison. N'oubliez pas de vous détendre et de vous respecter les uns les autres sur le live. Mais bien sûr, les amis, soyez heureux. N'hésitez pas à partager, à liker, les gars. Ah non, c'est plus la bonne plateforme, on n'est plus là-dessus. Alors, dans ce cas, va te changer, je t'en prie. Allez, on va faire ça et puis après, on se laissera là quand même, les gars. Par contre, peut-être que ce soir, je liverai tard. Si j'ai la foi, je liverai peut-être un jeu un peu plus tard ce soir. Peut-être. On va voir. Mais un jeu surprise. Waouh, l'uniforme te va super bien. Respire un bon coup, ça va aller. Bonne chance. On ira s'acheter des vêtements aussi, mais on fait pas aussi facilement d'argent que ça en fait sur ce, je trouve sur cet opus là. Comment ça, c'est un nouveau ou pas? De qui donc? Alors, ah, c'est toi, tu manques de féerie, mais tant pis, entre. Bah oui. Crignot en bout, ça va être l'heure de l'apéro, on devrait faire l'apéritif. 4 chips. Alors, en ce qui concerne la mission de la reine, pour tout te dire, j'aimerais me trouver un remplaçant. D'accord. Donc, c'est plus une audition qu'une mission, si tu veux savoir. D'accord, mademoiselle. Oui, un nouveau, oui, un nouveau. Mais attention, si tu te trompes, les stats de ton Pokémon combattant en prendront un coup. D'accord. Ça marche dans les deux sens. Si tu réponds juste, tes stats augmenteront. Ok. Oui, c'est ça la féerie. D'accord. C'est le syndrome Blanche-Neige, peut-être. Alors, sur ces bonnes paroles, allez, hop, en scène. Bon, les gars, vous allez m'aider, hein, parce que... Va brûler les planches sans te brûler les ailes, mon copain. C'est parti. Ah non, Mario Kart Tour, je l'ai déjà, Didi. Mais d'ailleurs, il va falloir qu'on fasse... Ah, bravo, Master. Rang numéro 2, level 11. Pas mal, pas mal, pas mal. Après, au niveau des rangs et des levels, selon les rangs que tu as, après, tu vas passer avec un nouveau sobriquet, en fait. Alors, c'est parti pour la mission d'arène. Allez, bonne chance. On va voir un petit peu. J'aime bien ces missions d'arène là, c'est super sympa. Par contre là, il va falloir m'aider parce que alors moi je sais pas du tout. Je crois qu'au rank 3 ou 4, tu passes matelot, après tu passes capitaine en second. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc de level en fait. Alors, débutons l'audition pour voir si tu es digne de prendre la relève de notre championne adorée. OK. Oui, c'est ça. Alors, Améline, la dresseuse d'arène, veut se battre. C'est rigolo, c'est comme prénom, Améline. Vous êtes allé faire un tour par la boutique pour regarder si elle est en fonction. Il me semble que normalement, elle doit être en fonction. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Fluvetin, d'accord. Eh ben, écoute, Fluvetin, je pense qu'on va te faire cramer. C'est bien ce que je pensais. Oh, c'est pas mal ça, tiens. Bon, ça va. C'est pas trop... C'est une salle de théâtre, ouais, c'est rigolo. Alors, contre quoi le type fée est-il faible? Oh les gars, contre quoi le type fée est-il faible? Fée, le poison ou l'acier? Bah les deux, non? Allez les gars, allez hop hop hop, je sais pas moi, aidez-moi. Les deux de toute façon, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Allez va. Écoute, on va lui faire un double pied, ça devrait le faire. Parce qu'il faut en garder pour le combat principal, pardon. Celui qui suit après. Alors, vous voulez un cube canaille? Un cup canaille? Non, on va pas changer. On va continuer sans changer. Ouais, on va garder ça.
Parce qu'on l'a jamais affronté le Cup Canaille du coup. Tiens, si on faisait. Tiens, on va prendre Amandine un petit peu. On va l'envoyer au combat, ça faisait longtemps. L'est-on quoi, père la galère? L'est-on quoi, frère la galère, pardon? Il y a une question mort de rire, d'accord. Du coup, est-ce qu'on peut l'attaquer? Tiens, bah c'est efficace, ça, et pas cher. Je vais la faire souvent, celle-là, c'est incroyable. Allez, on va faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris Amandine. Je la trouve tellement. Il est tellement magnifique ce Pokémon. Ils ont fait un Pokémon, mais tellement beau. Ok, un petit peu de sport coton. Et puis après, on partira sur autre chose. Ah bah on a bien fait finalement de prendre ça là. Cup Canaille, c'est rigolo comme nom, je trouve. Allez, on va lui faire un petit trancherbe, même si c'est pas terrible. D'accord, mais d'accord, si on peut le faire, je le fais, ok. Pas de soucis, on va essayer de faire ça. Ouais, je vois à peu près comment on fait. Je me doute. Allez, hop, on va faire ça. Ah, j'avais pas vu le i en fait. Ah oui, c'est la copine de la Fedaïne en fait. Voilà, c'est ça. Il fallait la faire, ouais, la fée, oui. La fée du logis. La fée pastichée. Mais non. La fée tue de paille. Alors, vous avez battu Améline, ok. Alors, les compétences en quiz, peu importe, lorsque l'on possède une force inébranlable. Bah tiens, en parlant de fée laiton, elle a une force inébranlable, les gars. La fée tes devoirs, ouais, c'est ça, ouais. La fée pas le con aussi, punaise. Allez, c'est parti. Bien, nous verrons ce que dira Madame Sally, mais ma foi, pourquoi pas. Mais c'est la même, pourquoi elle revient? Je suis la deuxième dresseuse, mais t'es pareil. Mais tu te moques ou quoi? C'est la même. Et la Ferrero Rocher. Ah oui. Elle est bonne, celle-là, parfait. La Ferrero Rocher. Alors, Simone, elle s'appelle, d'accord, la dresseuse d'arène veut se battre. Allez, on y va. On va essayer de battre Simone. J'avais un vieil adage pour une fille qui s'appelait Simone, mais je peux pas vous le dire ici, mais je vous le mettrai sur le Discord. Corde. Est-ce qu'on changerait pas de... Si, on va changer, non? Fais voir, pas très efficace, efficace, pas très efficace, efficace. Et voilà, regardez, on va prendre un petit Mastermind. Elle va se prendre une fessée, ouais, exact. A plus Didi, merci d'être passé surtout, merci beaucoup. Et bisous à Emily. Quand tu la vois, bien sûr. Quel est le nom de la dresseuse d'arène de tout à l'heure? Améline. C'est Améline, elle s'appelait, je crois. C'est la bonne réponse, mais merci. Merci, je suis... Ciao. Bis. Oui, je l'ai rencontré sur le chat dans de tes lives, Didi, bien sûr. Bien sûr. Du coup, tiens, on va y faire ça, là, un petit super efficace. Et effectivement, c'est super efficace, les gars. Allez, on prend un petit peu de points d'expérience, tranquille. Tranquillement. Ça, le chat méga perle sans phosphate. J'ai pas vu par contre qui est-ce qu'elle nous mettait.
Cocotine. D'accord. Pourquoi pas. Cocotine, ça va peut-être pas aller, mais tiens, on va faire une ça, puis on verra bien. Si, c'est bien finalement contre Cocotine, ça. Tiens, on va y faire un pic. Un pic pouce bacelle. Un pic. Voici la preuve que les noix de coco sont des mammifères. Mais exactement. Elle est très très bonne. Punaise. Elle est très très bonne celle-ci. C'est vrai que les gars, Didi vient de partir, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un live abonné. Il faut remédier à ça. Pendant les vacances, là, on se fera des lives abonnés, les gars. Où on se fera du Mario Kart, où on se fera des jeux qui coûtent pas d'argent et gratuits, où on pourra jouer ensemble, en fait. Eh ben, à plus, Lio. Vous allez manger où? Le curieux, tu sais. Et quoi, surtout? Mais non, mais c'est la même, tu rigoles ou quoi? T'es sérieux? Oui, j'ai vu, Master, j'ai vu. Alors, Thora, la dresseuse d'Arène, veut se battre. Théodora, pardon. Théodora, Thora. Thora, c'est autre chose. Ça se passe ailleurs, la Thora. Oh, écoute, on va l'attaquer avec... C'est quoi, c'est un type fait, celui-là, hein? Fais voir un petit peu dans l'équipe. Ouais, il y a de l'efficace un peu de partout, mais il n'y a pas Masterman, et on va le prendre souvent avec nous parce qu'il est vraiment, pas mal, quoi. Le type feu est utile dans cette version-là, mais vraiment utile parce que t'as beaucoup de types acier, et le feu, d'après ce que j'ai compris, les types acier, ils aiment pas beaucoup. Mais par contre, il est plus rapide que nous, lui. Il nous fait des petits bisous et nous vole de la vie, le pauvre. Ouais, Eldacier, c'est super efficace, en fait. Il est vraiment bien, ce truc. Qu'est-ce que je mange tous les jours au petit-déj d'après toi? Du curry. Ah, zut. Ouais, mais c'est nul, ça, comme question. Comment tu veux que je sache, moi? On va te faire une super vrille. Tu vas moins la ramener, toi, mon petit. Ça va être vite fait. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc tu te calmes. Tu te calmes, le mec. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok. On est pas mal. Thora, la dresseuse. Un garde-voir. On va changer de Pokémon. Tiens, regarde. On va prendre... On va reprendre Didi. Hop là. On va l'envoyer au combat. C'est ma nouvelle marque de Théodoran, c'est exactement ça. Elle est très bonne. Elle est très très bonne, celle-ci. Elle est belle. La garde-voir, elle est très très belle. Fais voir un petit peu, fais-moi voir de plus près, s'il te plaît. On va attaquer, mais... Tiens, on va faire une aire de feu. Je la vois pas, c'est dommage. Elle est jolie, elle est vraiment très très jolie. Waouh. Je sais pas c'est l'évolution de quoi, mais c'est très joli, ça. Vraiment. Oui, je vois ça, que t'en as des très très bonnes dans ton sac, en fait. Vraiment, vraiment. Sans mauvaise métaphore. Ouais, j'avais bien compris. Hein. J'avais bien compris. Mais on est... Du coup, on va y faire un double pied. Je pense. On peut utiliser ça. Mais ça lui fait pas grand chose, c'est dommage. Ouais, du coup, elle nous fait baisser nos attaques, en fait. C'est un peu dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va essayer de regarder si je peux pas prendre quelqu'un qui est un peu plus efficace. Et non, parce qu'on la connaît pas, en fait. Bon, on va rester comme ça.
et on va l'attaquer. Et par contre, on va sortir l'artillerie lourde. Du coup, on va se faire une petite zizoudane. Et coucou ma chérie, dame, comment tu vas? Attention à ton verre, hein, mon chéri, regarde, juste là. Ne pas tout faire tomber. Eh ben écoute, on regardera ça. On regardera ça tout à l'heure, ouais. Mais tu viens de me spoil là quand même, hein, Master. Un petit peu, hein. Un petit peu. Ok. Alors, Lyon veut apprendre tonnerre. Eh ben. Quand même, on a failli attendre. Alors, on fait voir. Ça, c'est 80. 65. Et la souplesse, c'est combien? 80. Écoute, on va se lever Bomber, je pense. Le lanceur envoie une boule d'électricité. Si la vitesse est plus grande que celle de l'ennemi, les dégâts augmentent d'autant. Peut-être pas. Tiens, on va se faire un tout électrique. Et puis, on verra bien pour le reste. Je pense que je pense que je vais le prendre pour les trois là. On va lever tout ça et je pense que je vais le prendre. Tétan, non, il n'a pas eu à manger. Donc ne dis pas ça. Tu lui as donné à manger à ton chat, mon chéri? Tétan, je crois pas. Donc du coup, il n'a pas eu à manger. Fais attention au verre, mon chéri. Esclave. Mais non. Allez hop. Ethan, maman t'a appelé. Ok, Ethan remporte 3360 par Pokédollars. Ouais, je l'ai appelé Ethan, bien sûr. Le défi des arènes devrait être notre priorité, mais Madame Sally ne pense qu'aux auditions. Ok. Allez, on va s'arrêter là après. Alors du coup, si je comprends bien, ce que tu veux que je fasse, c'est ça. On va dans l'équipe, on va garder Didi, on va garder, tiens, on va déplacer Ethan ici, et je pense qu'on va prendre Master. Ouais, Master, on va le prendre là. Et eux, tu veux que je les renvoie dans les boîtes de PC ou juste je les laisse là et on les utilise pas, ça fait la rue comme ça, Master. Parce que du coup, si jamais on fait ça, est-ce que je peux le déplacer? Où voulez-vous le déplacer? Sélectionner un objet, déplacer un Pokémon, non. Donc du coup, ouais, il faut sortir, du coup, il faut se mettre quoi dans le... Non. Il faut faire ça. Ça, non, c'est pas par là. Par où c'est? Je me souviens plus. Fais voir, sac. Ah, voilà, ça doit être ça, non. Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est peut-être pas ça. Ah si, boîte de Pokémon, c'est ça. Bim. Oui. Alors. Non. Vous ne pouvez pas utiliser la boîte de Pokémon depuis votre sac. D'accord. Comment ça marche? Comment ça marche? Essaye les boîtes PC, bah ouais, j'ai bien essayé, mais non, dans la boîte PC, fais voir. Non, on peut pas l'utiliser de là, j'y arrive pas, Master. Du coup, est-ce que je peux le faire? Chut, Ethan, s'il te plaît. Déplacer un Pokémon, déplacer un objet, déplacer un Pokémon. Non, j'arrive pas, je peux pas le faire de là en fait.
Tout à l'heure, on a pu le faire, mais là, c'est peut-être parce qu'on est dans l'arène qu'on peut pas le faire, Master. Bon, c'est pas grave, on va pas les utiliser, on va utiliser que les trois premiers. Bravo, mission accomplie. Je me demande si votre prestation a convaincu le jury. Nous le verrons bien. Souhaitez-vous continuer et affronter la championne web? Allez, on y va. En avant. C'est parfait. C'est parfait. Allez, on y va, les gars. Et après la championne, mais écoutez, on s'arrêtera là. Enfin, si on arrive à la battre. Hein. Ok. Oui, oui, je les utilise pas. C'est pas grave. C'est pas grave, Orphan. Master, pardon. Alors, bon, c'est un peu tard pour les présentations, mais enchaîne, je suis Sally la championne. Enchanté, pardon, je suis... Ouais, go, c'est ça. Alors, j'ai bien observé ton audition et j'ai jaugé tes réponses au quiz. Maintenant, fini de jouer, passons aux choses sérieuses. Voyons comment ton partenaire et toi résistez face à la pression. Eh bien, écoutez, on y va. C'est parti. Allez, Sally la championne. Darren veut se battre. Allez, on y va, les gars. On va essayer de faire ça. Alors, elle envoie un Smogo. Et c'est la première fois qu'on les affronte, nous et Smogo, par contre. Allez, on va voir ça. On va attaquer. On va essayer de faire... On va essayer une nitro charge, on verra, on va tester avec ça et puis on verra bien ce que ça donne. Ah, j'aime pas le poison, c'est embêtant. On va dire l'enchantress. Du coup, ça lui a rien fait. On va essayer de faire un double pied, on verra bien. Ah si, ça lui avait fait, mince, mais quelle nouille, j'avais pas vu en fait. Dommage. Hop, je vais remettre un repère là. On va lui faire, écoute, on va lui faire ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est fait déjà. Déjà de 1. Ok. Quand on mettra le... Alors, fais voir un petit peu. Qu'est-ce qu'il veut? Croque-fort. Croque-fort 80. Morsure 60. Tiens, on va le faire à... on va le mettre à cette place-là. Ouais, on va faire comme ça. Oui, c'est vrai. Mais du coup, t'as essayé, tu arrives à accéder à la boutique ou pas du tout, finalement? Parce que tu m'avais dit que non, mais du coup, je suis allé rebidouiller un petit peu dedans et je pense que c'est normalement, ça doit être faisable. Je vois pas d'autres boutons, en tout cas, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir le lancer, en fait. Ah, ça. Un Togekiss. Vous voulez changer de Pokémon? Non, on va pas changer. On va pas changer. On va garder Didi pour l'instant et puis après on verra. Il est beau celui-ci aussi, tiens. Un Togekiss, ouais, c'est exactement ça, ouais, j'avais compris, ouais. Il est trop magnifique. Vraiment. Bah écoute, on va faire ça. Avec le Togekiss, on va bien voir. Ah, c'est pas si. Ouais, lui par contre c'est super efficace.
Quelle est ma couleur préférée? Elle est le mauve. On va par contre se soigner parce que là on n'est pas bien. Allez, on va passer par le sac. Par le sac petit, on va faire une hyper potion. Il faudra le ranger un petit peu ça comme il faut. La prochaine fois, ouais. Ici. Et du coup, on va l'attaquer avec... tiens, on va essayer un double pied, voir ce que ça donne. Ah, mauvaise idée, mauvais choix. Ce qu'on va faire, on va changer un petit peu. Chut, regarde, on va envoyer Ethan au combat, je pense. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer de la roche sur la tête, ça devrait aller. Ah ouais, c'est un combat plus fait, d'accord. Et ben du coup, regarde, on va essayer ça. Avec une carapace, ça va mieux. Un truc tombe roche comme ça, ça devrait être pas mal. Ah non, pas de vampire baiser, non merci. Oh. C'est bien ce qui me semblait. Je pensais bien que ça allait être faire son office, ça, mais... Réponds à cette question. Quel est mon âge? Grossier personnage, je savais, j'aurais pas dû faire ça. Mais oui, mais c'était tellement évident. C'est une femme, tu peux pas lui dire ça. Tiens, on va lui faire un croque-fort. Et normalement, ça devrait aller, je pense. Ah non? Mais t'es sérieux? Ah ouais, ça tu vois, je me suis fait avoir là, je pensais que ça l'aurait bien descendu, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et ça devrait le faire maintenant. Ok. Alors, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok. Sally, la championne d'arène, envoie un Mistibule. Alors le Mistibule, je vais changer de Pokémon et on va essayer avec... tiens, on va envoyer Mastermon au combat. T'es prêt? Ah bah tu vois, c'est exactement ce que j'allais faire, c'est rigolo ça. Faut que je le soigne par contre peut-être Master. De quoi mon chéri? Mastermon. Ben c'est le bleu-zaille, bleu-zaille, bleu, c'est un tout, un mimisange. Au départ c'est un mimisange, je crois, si je me trompe pas. On va attaquer avec aile d'acier. Pas mal. C'est pas l'Amérique, mais pas mal. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais nous soigner, fais voir, on va aller dans le sac, on va prendre une potion. Alors une super, ça devrait suffire. Parce qu'il nous manque pas tant que ça. C'est un Corvalus. Voilà, maintenant c'est un Corvalus. Mais au départ c'était un Mimisange. Il est du type acier. Ah, il est du type acier, Mistibule. Ah, bah, j'aurais pu garder avec le feu en fait. Parce que acier et feu c'était... Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Hein. Je pense. Ouais. Classe. Avec Didi c'est mieux, ouais. Mais t'inquiète, je vais changer. Ça nous fait pas grand chose sans mâchouille de toute façon. On va aller dans l'équipe. On va reprendre Didi vite fait. Hop, comme ceci. On va l'envoyer au combat. De quoi mon prince? Ouais, vite fait, bien fait, ouais. Tiens mon chouchou, est-ce que tu mettrais ça? Fais attention sur le petit canapé là, merci. Ouais, d'accord, pas de soucis. Eh ben écoute, ça arrive. Non, mais il peut parler. Ce qu'il faut pas, c'est crier, ma chérie. Sinon, tout le monde peut parler. Hein.
Il a, si, il a mangé son goûter, hein. Pas tout, il y avait un peu plus, c'est pour ça ma chérie. Ok, un petit zizou. T'inquiète pas, tu vas revenir, ouais. Ok, bon, bah ça c'est bon, votre équipe a gagné des points d'expérience. Ok. Et pour le dernier, je pense qu'on va passer... ouais, on va passer en Dynamax, tu feras un clip s'il te plaît. Comme ça, on le mettra sur la chaîne. Parce que moi, je peux pas actionner les clips d'ici, en fait. On pouvait avant, mais plus maintenant. Ok. Allez, on fait ça. Un Charmeelie. D'accord. Et on va changer de Pokémon. Mais en fait, quand tu passes ton... Quand tu passes ta souris sur l'écran, tu vois, t'as une sorte de clap. Tu sais, de quand on fait des films, et tu appuies dessus, il va te dire de faire un clip. Et ça le fait tout seul en fait, ça le fait automatiquement. Master. Alors envoyé au combat, ok. Et on va déclencher le Dynamax. Et sinon, alors, je crois bien que mon thé du matin commence à... Salut la championne avant Charmeelie. Ok. On va attaquer et puis on va se mettre en Dynamax du coup pour la fin. Hop. Et on va faire un Metalomax. Allez. Mets un repère aussi. J'adore ça. Mais je ferai un... Ah, il est beau. Il est très très beau. Ouais. Ah ouais, carrément. Carrément. Es-tu prêt à passer aux choses sérieuses? Bah oui. Hein. Allez, elle aussi, elle va gigamaxer. Ah, merci ma princesse. Chin. Chin les gars. Ah, mais non, ça lui a fait un one shot. Oh, le coup critique. Incroyable. Oh, ça c'était là, ça c'était incroyable, dis donc. Ah ouais, tu ah oui, carrément, t'as été super en forme là, mon petit master. Alors, tu manques un peu de féerie, mais tu te débrouilles plutôt bien. On remporte 6080 Pokédollars et on va s'arrêter ici puisqu'on l'a battu. Et ça c'est pas mal. Merci, on s'est fait un bon live les gars. En tout cas, merci beaucoup entre celui de cet après-midi et de tout début d'après-midi plus celui-là. Ça fait vraiment un bon live, ça fait plaisir. Plus de 2 heures de jeu déjà, c'est pas mal. Alors merci pour ce combat, jeune homme. Je dois avouer que ta prestation était... tout à fait convenable, mais tu n'es pas la personne que je cherche pour me succéder à la tête de l'arène. Je trouverai bien la relève quelque part, j'ai d'ailleurs une petite idée sur la question. C'est pas grave master, c'est pas grave du tout, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Alors nous allons oublier cela, ce sont les caprices d'une vieille dame. Prends le badge feu, tu l'as bien mérité. Eh ben c'est gentil, merci mademoiselle. Madame. Non, mademoiselle. Puisque tu as 18 ans, bien sûr. Et donc, on en est 1, 2, 3, 4 et 5. 5 badges, du coup. Pas mal, je suis assez content, c'est parfait, ça. Ça va, princesse? Maman, j'ai allez. Du sirop de fraise ou de l'eau? Pour les balèzes, mon chéri. Et ouais, c'est ça, je buvais pendant que le gâteau grandissait, c'est ça. Alors, vous pouvez maintenant capturer des Pokémon jusqu'à 45. Ça manque de sirop de fraise.
Et cette CT, c'est la maison qui l'offre. Vous recevez la CT Vampi Baiser. D'accord, c'est pas mal ça. On verra, on peut le mettre. Aspire la force vulnérable de l'ennemi par un baiser. Rend au lanceur un nombre de PV supérieur ou égal à la moitié des dégâts infligés. C'est un peu technique, mais on va y arriver. Allez, je me sens d'humeur charitable. Je rajoute même un uniforme. Ça, c'est gentil. Merci, madame. Ça mettra un peu de féerie dans ta vie. Et merci bien. Mais qui espérait pouvoir enfin prendre ma retraite, c'est raté. Moi, pardon, qui espérait enfin prendre ma retraite, c'est raté. Voilà, Sally t'a déjà donné une CT, n'est-ce pas? Alors, parfait. Prochaine étape pour toi, la reine de Luchester. Luchester. Voilà, là-bas quoi. Eh bien écoutez les gars, on va s'arrêter là, je vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Je vous remercie vraiment 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 beaucoup pour tout ça. Avant de partir, on va basculer, on va lancer un raid, on va basculer sur une chaîne. Je vais choisir une autre chaîne et puis je te remercie en tout cas vraiment 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 beaucoup. On va aller là-dessus, on va lancer le raid, et puis ma foi, un gros bisou à tous, on n'est plus que deux, mais un gros bisou à tous, écoute, je t'embrasse, on se retrouve, je sais pas, normalement demain matin, à partir de demain, et puis on verra bien si ce soir peut-être je refais un petit raid, vite fait, de derrière les fagots. Je t'embrasse très très fort, puis on se retrouve sur la chaîne Coffee Gaming, si tu veux, si ça te va. Voilà, allez, à plus dans le bus, à jamais dans le tramway. Bye bye. Bye bye, à plus tard, merci. Allez, à bientôt les gars, merci. Bye bye. On se retrouve très vite, à bientôt. Bye bye, merci. Hop, comme ça.